Bonsoir Agnès, comme hier avec Véronique, je te pose la même question. Alors Agnès, cette épreuve de maths a-t-elle tenu ses promesses? Bonsoir tout le monde. Alors, je me présente donc, je suis Agnès Leclerc, donc j'interviens au sein de Mission CRPE, donc sur la plateforme. C'est moi qui m'occupe de la partie mathématique, donc de la plateforme, aussi bien pour la partie théorique que pour la partie didactique. Et j'interviens aussi en présentiel, tout comme Véronique, sur le site donc d'Aix-en-Provence, où nous avons donc un groupe de 3 jours et un groupe de 1 jour. Et j'enseigne pour la préparation au CRPE depuis 2004, ce qui fait que c'est un concours que je connais bien et je connais bien donc les exigences et les attentes des correcteurs et des jurys. Donc voilà pour la présentation. Alors j'espère que l'épreuve, pour ceux qui sont présents et qui ont passé l'épreuve, j'espère que tout s'est bien passé pour tout le monde. Donc les épreuves, donc j'ai choisi de faire un tour en fait, enfin oui, des épreuves des groupements 1 et 2. On ne va pas pouvoir corriger en détail, bien sûr. Donc on va voir les réponses attendues. Ces épreuves en fait n'étaient pas difficiles, ni l'une ni l'autre, ni dans le groupement 1, ni dans le groupement 2. Donc c'était des épreuves qui étaient tout à fait abordables en termes de notions. Il n'y avait rien de difficile, il n'y avait pas de piège, pas de difficultés spécifiques. Par contre, pour les deux groupements, c'était des épreuves très longues. Dans le groupement 1, vous aviez en tout 47 questions et dans le groupement 2, vous aviez 48 questions. Donc, ce qui est énorme, ce qui est beaucoup, tout en sachant que dans la partie didactique, vous aviez beaucoup de production d'élèves, aussi bien dans le groupement 1 que dans le groupement 2. Et on sait que les productions d'élèves en didactique, c'est chronophage. C'est ce qui vous prend en général le plus de temps. Donc voilà. Et concernant la réforme du concours, donc pour l'année prochaine, si parmi les présents qui assistent au live de ce soir, il y en a qui n'ont pas passé le concours, mais qui envisagent de le passer l'année prochaine, donc sachez que l'année prochaine, la partie théorique, en fait, l'épreuve écrite de mathématiques qui ne concernera que la partie théorique, sera en fait les parties 1 et 2 actuelles. Quand on voit le sujet 0 qui est sorti, dans le sujet 0, vous avez en tout 5 exercices et sur ces 5 exercices, vous avez un exercice en fait qui est un problème, ce qu'ils appellent un problème, c'est-à-dire où vous avez plusieurs sous-parties, tout en sachant que de mémoire, pareil, vous avez aux alentours de 45 questions, je crois, il me semble. Donc voilà, donc il n'y aura rien de changé l'année prochaine par rapport à ça, par rapport à la partie théorique. Et concernant la partie didactique, donc qui aura lieu cette fois-ci à l'oral l'année prochaine, il faut savoir que en fait toutes les questions que vous avez actuellement dans la partie écrite, dans la mouture actuelle du CRPE, ce sont des questions qui pourront vous être posées de toute façon à l'oral. Donc, pour la préparation du concours l'année prochaine, il faudra travailler les sujets des écrits qui sont tombés les années précédentes parce qu'on se rend rapidement compte que, en fait, c'est toujours le même type de questions qui tombent très souvent. Donc voilà. Donc, on va attaquer. Alors, je vais vous partager mon écran. Hop, j'ai prévu ceci. Et alors, attendez, juste, je voulais arrêter. Voilà ma vidéo. Donc, en introduction, donc c'est ce que je vous disais. Les deux sujets étaient classiques et leur principale difficulté était la longueur. Alors, les éléments qui vont faire la différence, je sais que beaucoup d'entre vous se posent la question pour tous ceux qui ont passé le concours. Les éléments qui vont faire la différence, c'est bien sûr la gestion du temps, puisqu'il y avait beaucoup de questions. La rigueur rédactionnelle, alors ça, la rigueur rédactionnelle, j'insiste énormément là-dessus, et les étudiants que j'ai, aussi bien en présentiel qu'en distanciel, le savent, que j'insiste énormément sur cet aspect, parce que c'est ce qui va faire la différence dans vos copies. On n'attend pas en termes rédactionnels une rédaction telle que le ferait un élève de troisième ou un élève de seconde. On attend beaucoup plus que ça. C'est-à-dire que, on attend déjà que vous vous mettiez finalement en posture d'enseignant, que, vous montriez que vous êtes capable d'expliquer les choses clairement et de les expliquer et de les justifier. Donc, ça, c'est un aspect très important.
Et vous avez bien sûr la présentation de la copie qui est également importante. Et c'est ce que je vous disais donc en introduction aussi, c'est que les deux parties théoriques vont correspondre en fait à ce qui va être proposé à l'écrit l'année prochaine. Et les questions de la partie didactique sont des questions que l'on va pouvoir retrouver à l'oral. Alors, pour ces deux sujets, donc bien sûr, je ne vais pas avoir le temps de traiter toutes les questions en détail, c'est-à-dire qu'on va voir les résultats attendus. En didactique, les principaux éléments attendus. Et bien sûr, si vous avez des questions, vous les posez par le chat et Jean-Paul me les relaiera. Alors, dans le groupement 1 pour la première partie. Alors, dans cette première partie, on avait 20 questions, ce qui est beaucoup. Et c'est une première partie où vous aviez énormément de calculs à faire et des calculs avec des nombres décimaux, donc avec des nombres à virgule. Donc, il fallait vraiment être très attentif, très concentré afin d'éviter donc les erreurs en tapant sur la calculatrice parce que vous savez qu'avec le stress, c'est vite fait de taper sur une touche à la place d'une autre ou en recopiant aussi les résultats affichés sur la calculatrice. Pareil, dans la précipitation, vous pouvez lire un 6 au lieu d'un 5, par exemple. Donc, il fallait être vraiment très concentré dans cette première partie qui demandait beaucoup de calculs, mais où il n'y avait en fait aucune difficulté. Donc, pour tout vous dire, en fait, cette première partie, moi, je ne l'ai pas trouvée intéressante du tout. Voilà, c'était vraiment de la manipulation calculatoire. Donc là, attendez, je vais vous agrandir mon document. Donc, ce que j'ai fait, j'ai repris les sujets, en fait, des deux groupements et j'ai mis les réponses, en fait, sur chacun des sujets. Comme ça, on a les sujets sous les yeux. Donc, pour la première partie, donc là, on vous exposait une situation, une histoire donc d'ampoule de différentes formes sur laquelle il y avait donc des diodes. Et on vous demandait tout d'abord, première partie, la partie A portait sur le coût de fabrication. Donc, on vous disait que le modèle A est formé de 9 diodes et de son support. Sachant que le coût d'une diode est de 18 centimes, montrez que le coût de fabrication d'une ampoule de modèle A est de 2,55 €. Donc là, il n'y avait vraiment aucune difficulté. Il fallait prendre donc le prix, le coût de fabrication du support pour le modèle A, c'est-à-dire 93 centimes. Sur ce modèle A, on avait 9 diodes, donc multiplié par le coût d'une diode qui était de 18 centimes, ce qui vous donnait donc cette opération et le résultat attendu. Ensuite, deuxième question, donc là il s'agissait du tableur où étaient répertoriés donc les trois modèles avec le nombre de diodes, le coût de fabrication du support et le nombre de modèles produits. Et on vous demandait donc quelle formule peut-on écrire dans la cellule D2, donc dans celle-ci, puis étirer vers le bas pour calculer le coût de fabrication d'une ampoule du modèle correspondant. Donc là, ici, donc, il fallait reporter donc, le coût de fabrication. Il est composé de quoi? Il est composé du coût de fabrication du support, donc le nombre qui se trouve dans la cellule C2. Alors, dans vos formules, n'oubliez pas surtout de mettre le signe égal avant, hein, quand on vous demande une formule de tableur. Donc, ça va vous donner égal donc C2, auquel on va rajouter donc le nombre de diodes multiplié donc par le coût d'une diode qui est de 18 centimes. Donc, le nombre de diodes est égal à 9 et ici, il se situe dans la cellule B2. Donc, ça va nous donner B2 fois 0,18. Et n'oubliez pas que le fois dans le tableur se matérialise donc par l'étoile et non pas par la croix, hein, comme dans les calculs écrits. Donc, ça nous donnait cette formule-là qui, une fois étirée vers le bas, se transformerait donc en C3 plus B3 fois 0,18 et C4 plus B4 fois 0,18. Ensuite, question B, quelle formule peut-on écrire dans la cellule F2? Donc, dans celle-ci, puis étirer vers le bas pour obtenir le coût total de production des ampoules du modèle correspondant. Donc, le coût total de production, en fait, il va être constitué de quoi? Du coût de fabrication du modèle multiplié donc par le nombre de modèles.
Donc, le coût de fabrication, ici, on trouve dans la série D2, le nombre de modèles dans la série E2. Donc, il fallait rentrer la formule égale D2 fois E2. Donc là, il n'y avait vraiment rien de compliqué. Ensuite, on vous demandait de calculer le coût total de production pour fabriquer 19 000 ampoules de modèle A, 14 900 ampoules de modèle B et 3 094 ampoules de modèle C. Donc finalement, ça revenait à faire la somme des nombres qu'on allait donc retrouver ici dans cette colonne-là, dans la colonne F. Donc pour avoir le coût de fabrication, donc il faut donc établir le coût de fabrication par modèle multiplié par le nombre de modèles. Donc ici, on va le multiplier par 19 000, ici par 14 900, ici par 3 094. Et au total, donc, on obtient un coût total de production de 151 388,72 euros. Ensuite, pour la partie B, donc, concernait l'emballage de ces ampoules. Alors, on vous demandait de calculer le volume d'une ampoule de modèle A. Alors, le modèle A, lui, si on revient au début, le modèle A, lui, a cette forme-là, c'est-à-dire qu'il a la forme d'un cylindre, ce modèle. Donc, pour calculer le volume d'un cylindre, en plus, on vous rappelait la formule. Donc, il n'y avait vraiment rien de compliqué. Donc, la formule, ça va être R de la base fois la hauteur. Donc, l'R de la base est un disque. Donc, l'R du disque va être pi R au carré. Et là, il y avait juste un petit piège parce qu'on vous donnait le diamètre et non pas le rayon. Donc, il fallait penser à diviser le diamètre par 2. Donc, prendre 2,25 cm pour le rayon. Et donc, ça vous donnait pi fois 2,25 au carré fois la hauteur qui était de 6. Et donc, on obtenait ce volume-là. On vous demandait d'arrondir au millimètre cube près. Donc, attention, si vous exprimiez votre résultat en centimètres cubes, il fallait bien donner 3 chiffres après la virgule. Sinon, vous pouviez aussi donner comme résultat 95 426 millimètres cubes. Il n'y avait rien d'imposé par rapport à ceci. Donc, voilà. Alors, je n'ai pas trouvé grand intérêt à cette question parce qu'en fait, le résultat, après, on ne le réutilise absolument pas. Donc, voilà, c'était une question pour poser une question sur le volume. Ensuite, donc, il y avait l'histoire de la palette. Donc, on vous disait que les ampoules sont conditionnées dans des boîtes en carton paralipédique, c'est-à-dire de forme de pavé droit, puis stockées sur des palettes. Donc là, on vous donnait les dimensions donc, des boîtes, de longueur 5 cm, de largeur 5 cm et de hauteur 7 cm. Donc, en fait, il s'agissait de pavé droit à base carrée. Et on vous demandait, donc là, on vous donnait le descriptif de la palette. On vous donnait ses dimensions en millimètres. Donc là, pareil, il fallait être attentif donc, aux unités de mesure pour bien travailler dans la même unité. Et on vous demandait de montrer que le nombre maximum de boîtes d'ampoules sur un étage de palette est de 384. Donc là, il suffisait de convertir vos millimètres en centimètres, donc 120 cm, 80 cm. Et de diviser chacune de ces dimensions par 5, ce qui vous donnait 24 et 16, et ensuite de faire le produit de ces deux résultats pour trouver donc le nombre de boîtes que l'on peut disposer sur un étage de palette. Alors Jean-Paul, tu m'arrêtes hein, s'il y a des questions. Oui, il n'y a pas de souci Agnès. Nous avons l'aide d'un professeur de maths qui répond en direct en même temps et je le félicite. D'accord, très bien. Et oui, parce que je n'ai pas le temps de détailler. En fait, si on veut voir les deux sujets, je n'ai pas le temps de détailler toutes les opérations. C'est ça. Ensuite, on vous dit, donc, sachant que la hauteur d'une palette chargée ne dépassera pas 1,20 m au total, palette comprise, combien d'étages de 384 boîtes d'ampoules peut-on positionner au maximum sur une telle palette? Donc, le résultat était de 15 étages. Donc là, ce à quoi il fallait penser, c'est qu'on vous disait palette comprise, donc il fallait enlever en fait cette hauteur-là, les 14,5 cm. Donc il fallait les enlever ici aux 120 cm. Donc en faisant donc cette opération ici,
En enlevant ces 14,5 cm, on trouvait donc 105,5 cm, qu'on divisait ensuite par 7, puisque la hauteur d'une boîte est de 7 cm. Et en divisant par 7, on trouvait donc environ 15,07. Donc on arrondit à 15, puisque c'est un nombre d'étages, ce qui nous donnait donc 15 étages comme résultat. Ensuite, on vous disait une palette contient seulement un modèle d'ampoule et coûte 15 euros. Quel sera le coût en palette pour la commande Dupont? Donc là, ce qu'il fallait faire, il fallait penser au fait que donc on avait 384 boîtes par étage, mais qu'on avait donc 15 étages. Donc il fallait calculer le nombre d'ampoules que l'on pouvait mettre sur une palette, c'est-à-dire faire 384 fois 15, qui vous donnait 5760 ampoules par palette. Et ensuite, il fallait donc reprendre les données ici, le nombre de boîtes de chaque modèle, et donc diviser chacun de ces nombres par 5760, qui vous donnait donc le nombre de palettes. Donc 19 000 divisé par 5760, on trouvait environ 3,3, donc 4 palettes, puisque une palette ne peut contenir qu'un seul modèle d'ampoule. Ensuite, 14 900 divisé par 5760, qui vous donnait environ 2,6, donc 3 palettes. Et enfin, 3094 est inférieur à 5760, donc une palette. Donc au total, on avait 4 et 3, 7 et 1, 8 palettes, sachant que le coût d'une palette est de 15 euros, donc 8 fois 15 euros, vous donnez donc 120 euros pour le coût en palette de cette commande. Ensuite, on vous demandait quel sera le coût total de l'emballage pour la commande Dupont, c'est-à-dire les boîtes plus les palettes. Donc, le coût d'une boîte, on vous le donnait à un moment donné, je l'ai perdu, il est ici. On vous donnait donc le coût d'une boîte qui était de 12 centimes. Donc, il fallait multiplier la quantité totale, c'est-à-dire 19 000 plus 14 900 plus 3094. Donc, multiplier ceci par 0,12 et ajouter donc le coût engendré par les palettes. Et ça nous donnait un total de 4 559,28 €. Ensuite, partie C qui concernait le coût de fonctionnement. Donc là, on vous expliquait, on vous disait que l'entreprise emploie 13 personnes, donc 8 pour la chaîne de fabrication, dont on retrouve donc les salaires ici. On a 8 salaires différents. 3 pour l'emballage, donc qu'on retrouve ici, et l'organisation des livraisons, dont les salaires sont identiques, donc les 3 personnes perçoivent chacune ce salaire. Et 2 pour la comptabilité et la gestion, dont les salaires sont identiques. Donc, les 2 personnes de ce service perçoivent ceci comme salaire. Et on vous demandait donc quelle est l'étendue de cette série. Donc, l'étendue d'une série, c'est la différence entre le maximum et le minimum. Donc là, le salaire maximum est de 2192,48 €. Le salaire minimum est de 1488,11 €. Et si on fait la différence entre les deux, on trouve donc une étendue de 704,37, j'ai oublié mon euro. Ensuite, déterminer le salaire médian de cette entreprise. Donc, pour déterminer le salaire médian, il fallait ranger les salaires dans l'ordre croissant et ensuite faire les effectifs cumulés croissants. Donc, en faisant les effectifs cumulés croissants, on sait qu'il y a 13 personnes. Donc, ce qui fait que le salaire médian va correspondre donc au salaire de la 7e personne dans les effectifs cumulés croissants. Et la 7e personne a un salaire médian de 1864,37 €. Donc, voici le salaire médian. Ensuite, on vous demandait de calculer le salaire moyen de l'entreprise. Donc, pour calculer le salaire moyen, il faut faire donc une moyenne pondérée. Donc là, on va avoir donc chacun des salaires, donc ceux-ci qui vont être chacun multipliés par 1. Ensuite, celui-ci sera multiplié par 3, celui-ci sera multiplié par 2. Et la somme obtenue, on va donc la diviser par 13, puisqu'il y a 13 personnes,
ce qui nous donne un salaire moyen de 1840,64 €. Donc là, il ne fallait vraiment pas se tromper en tapant sur la calculatrice, hein, il fallait vraiment être très attentif. Ensuite, pour le coût global, donc on vous donnait ici une formule pour calculer le coût global et on vous demandait le coût global en euros pour un salarié de l'emballage et de l'organisation des livraisons, c'est-à-dire pour un salarié percevant ce salaire. Donc là, il suffisait d'appliquer la formule tout simplement, hein, de remplacer le salaire net par 1864,37 €. Et ce qui nous donnait donc comme résultat arrondi au centime, parce que là, comme c'est des sommes, on va arrondir au centime, bien qu'il n'y ait pas d'arrondi demandé, on va arrondir à 3465,82 €. Donc voilà le coût global en euros pour un salarié. Ensuite, on souhaite augmenter de 3% le salaire net de l'employé gagnant 1488,11 €. Donc, quel est le salaire net de cet employé après augmentation? Donc, il suffit de multiplier ce salaire par 1,03, puisqu'on a une augmentation de 3%, et qui nous donne un résultat de 1532,75 €. Et calculer le coût global de ce salaire après augmentation, et bien là, on reprend la formule, la formule donnée ici. On remplace le salaire net par ce qu'on a trouvé dans la question petit a. Et en appliquant cette formule, donc, on trouve un coût global de 2849,35 €. Et ensuite, de quel pourcentage le coût global a-t-il augmenté? Ben, il a augmenté de 3%, lui aussi, hein, puisque si on multiplie le salaire net, si on fait salaire net fois 1,03 sur 0,78, le tout fois 1,45, comme c'est une suite de multiplication, le fois 1,03, on peut très bien le mettre à la fin, c'est-à-dire salaire net sur 0,78 fois 1,45 fois 1,03. Donc là, ce n'était pas la peine de faire des calculs, ce n'était pas nécessaire. On pouvait donner la réponse sans faire de calcul. Ensuite, partie D, donc concernant le transport et la livraison. Donc là, on vous dit que l'entreprise travaille avec deux sociétés de livraison qui lui propose donc différents tarifs qu'on vous décrit ici. Donc la société A, la société B. Et on vous dit qu'on définit donc les fonctions F et G, donc 12X plus 284 et 29X plus 115, qui correspondent finalement aux deux sociétés. Hein. Et la représentation graphique, on vous dit qu'on a tracé les courbes correspondant à F et G dans le repère ci-dessous. Donc là, ce sont des fonctions affines, donc la représentation graphique seront des droites. Et on vous demande d'identifier la courbe qui correspond à chaque fonction. Donc là, il suffit en fait de regarder la valeur de l'ordonnée à l'origine. Pour la courbe F, l'ordonnée à l'origine est 284. Pour la courbe G, 115. Je regarde sur mon graphique, 115, 284. Donc, j'en déduis que celle-ci est la droite représentative de la fonction J et celle-ci la droite représentative de la fonction F. Ensuite, quelle société de livraison sera la plus économique pour une commande de 6 palettes? Alors là, on repère sur le graphique l'abscisse 6. Donc, on se déplace parallèlement à l'axe des ordonnées. Et la première droite que l'on rencontre, c'est la droite représentative de la fonction G. Donc, on en déduit que la livraison la plus économique sera celle proposée par la société B. Ensuite, pour une commande donnée, quelle société de livraison sera la plus économique en fonction du nombre de palettes? Donc, pour ça, on va repérer le point d'intersection des deux droites. Alors, le point d'intersection des deux droites n'est pas tout à fait à 10, il est un petit peu avant. Donc, on remarque qu'avant l'abscisse 10, on a donc la fonction G qui est en dessous de la fonction F. Donc, on va en déduire que pour une quantité inférieure à 10, la société B est la plus économique. Et après 10, on voit que la fonction F est en dessous de la fonction G. Donc, on va en déduire que pour X supérieur ou égal à 10, la société A est la plus économique.
Et ensuite, résoudre l'équation f de x égale g de x. Utiliser cette résolution pour affiner la réponse à la question ainsi. Donc là, par résolution donc, de l'équation, c'est-à-dire 12x plus 284 égale 29x plus 115, on arrive au résultat x égale 169 sur 17. Donc 169 sur 17 n'est pas un nombre décimal, hein, puisque 17 est un nombre premier et que 169 est le carré de 13. Donc ça, c'est juste pour faire un petit rappel sur les nombres décimaux. Et si on recherche sa valeur approchée, c'est environ égal à 9,9. Donc, on en déduit que 169 sur 17 est compris entre 9 et 10, strictement. Donc, on en déduit qu'à partir de 10 palettes, la société A sera la plus économique. Donc, voilà pour cette première partie où vous aviez 20 questions, beaucoup, beaucoup de calculs. Alors, attendez, je révise un peu mon PowerPoint suivant. Voilà. Beaucoup de calculs dans cette première partie du groupement 1. Donc, voilà. J'ai trouvé ça un peu redondant, un peu pas franchement intéressant. Alors, Agnès, pour Camille, est-ce que tu peux revenir sur la question 5B et son résultat? La question 5B, j'ai pas. 5B, alors, 5B, hop, oui. Je vais vous réagrandir. Donc, ici, pour le coût global? Oui, c'est ça. Pour le coût global. Donc, le coût global de ce salaire après augmentation, c'est-à-dire le salaire, c'est 1488,11, donc après augmentation, après l'augmentation de 3%. Et on avait trouvé donc un salaire de 1532,75 après l'augmentation de 3%. Donc, ce qu'on fait, on reprend la formule. Dans la formule, on remplace le salaire net par 1532,75 et on fait tout simplement le calcul de la formule et on trouve ce résultat. Est-ce que c'est bon? D'accord, parce que Camille dit en faisant le calcul, je trouve 2849,34295 et en arrondissant 2849,34. C'était 35. Ça, moi, j'ai 2849,349083. D'accord. Donc, 2849,34, c'est bon. C'est bon? Oui. OK. Alors, ensuite, donc, on va passer à la première partie du groupement 2 que j'ai trouvé plus intéressante. Donc, il n'y avait que 14 questions dans cette première partie. Enfin, je dis que c'est déjà beaucoup, hein. Il y avait 14 questions dans cette première partie. Je l'ai trouvée plus intéressante que celle du groupement 1 parce qu'il y avait différentes notions. C'était varié en termes de notions. Donc, c'était pas lassant, on va dire. Et il n'y avait pas de difficulté notionnelle particulière. Il n'y avait pas de piège. Alors, pour cette première partie, attendez, je suis en train de jongler avec mon Zoom là. Donc, pour cette première partie, donc on vous dit que Romain et Aya souhaitent étudier quelques caractéristiques d'un terrain de rugby. Donc, la zone de jeu est un rectangle d'une longueur de 100 mètres et d'une largeur de 68 mètres. On vous demandait de calculer l'aire de la zone de jeu. Donc là, il n'y avait rien de compliqué, hein. C'était l'aire d'un rectangle, ce qui vous donnait 6800 mètres carrés. Ensuite, on vous demandait de calculer la longueur de la diagonale de la zone de jeu. On vous demandait la valeur exacte et de vérifier qu'elle mesure environ 121 mètres. Donc, la zone de jeu étant un rectangle, sa diagonale, en fait, est assimilable à l'hypoténuse d'un triangle rectangle. Donc, ce qui fait que pour calculer la longueur de cette diagonale, ben, on va appliquer le théorème de Pythagore. En calculant 100 au carré plus 68 au carré, ce qui vous donnait 14 624. Et si on fait la racine carrée de 14 624, ça nous fait 4 racine de 914. Et valeur donc arrondie, ça vous donnait environ donc 121 mètres. On trouvait bien donc la valeur donnée. Donc là, pareil, il n'y avait rien de compliqué, hein. C'était vraiment des notions de base. Ensuite, Aya parcourt la diagonale de la zone de jeu en 18 secondes, calculer sa vitesse moyenne en mètres par seconde, donner l'arrondi au centième.
Donc là, bah, on applique la formule, hein, V égale D sur T. Donc là, ici, la distance, donc c'est la distance de la longueur de la diagonale, hein, donc le résultat trouvé précédemment, divisé par le temps, donc divisé par 18 secondes, puisqu'elle met 18 secondes pour parcourir cette diagonale. Donc, on obtient un résultat en mètres par seconde qui vous donne arrondi au centième 6,72 mètres par seconde. Ensuite, Courtelle a une vitesse moyenne supérieure à 30 km/h justifiée. Donc là, ce qu'il fallait faire, ben, il fallait reprendre le résultat précédent et le convertir en km/h. Donc, on sait que dans une heure, on a 3600 secondes. Donc, on va rechercher le nombre de mètres parcouru en une heure en multipliant 6,72 par 3600, ce qui vous donnait 24 186 mètres, qui vous donne donc 24,186 km/h, hein, si on convertit les mètres ici en kilomètres. Donc, ceci étant inférieur à 30 km/h, donc la réponse est non ici. Ensuite, question 5, la championne, donc Hélène Thompson, parcourt 100 mètres en 10,93 secondes. Alors, en courant avec la même vitesse moyenne, combien de temps en secondes aurait mis Hélène Thompson pour parcourir la même diagonale, arrondir au dixième? Donc là, ben, vous pouviez faire un tableau de proportionnalité, hein, vous avez le droit de poser un tableau de proportionnalité sur votre copie. Donc là, on a 100 mètres en 10,93 secondes. On veut chercher en combien de temps on parcourt donc 121 mètres, ce qui vous donnait donc arrondi au dixième, après avoir fait le produit en croix, 13,2 secondes, puisqu'on vous demandait à l'arrondi au dixième. Ensuite, partie B. Donc, on disait que Aya souhaiterait connaître la hauteur des poteaux de but représentés ci-contre. Donc, on a les deux poteaux et la barre transversale. Donc, pour ce faire, elle place un point T ici, de telle sorte que l'extrémité S de son ombre, donc TS ici, coïncide avec celle de l'ombre PS d'un des poteaux. Donc, l'ombre PS qui est ici. Elle trace le schéma ci-dessous à main levée. Donc, on a un schéma représentatif de la situation. Donc, on vous donnait différentes informations concernant les mesures. On vous disait que l'ombre du poteau est représentée par le segment PS et on vous disait qu'on considère que les poteaux et Aya sont orthogonaux au sol. Donc cette information-là, cette dernière information-là, nous permet d'en déduire que ben, les droites AT et HP sont parallèles. Donc de ce fait-là, ben, on est dans une situation de Thalès. Donc on a bien deux droites HS et PS qui sont sécantes en S. On a H et A, donc deux points de la droite HS distincts de S, P et T, deux points de la droite PS distincts de S. Les droites AT et PH sont parallèles. Donc, d'après le théorème de Thalès, on a donc ST sur SP égale AT sur HP. Et en remplaçant donc par les données numériques qu'on vous fournissait ici, donc, on trouve que HP est environ égal à 7,7 mètres arrondi au dixième. On vous demandait un arrondi au dixième. Donc, voilà pour cette partie B où vous aviez une seule question, en fait, dans cette partie. Alors Agnès, Pamela me demande, moi j'ai utilisé une autre méthode que Thalès et obtenu le même résultat, tant que ce n'est pas empirique, c'est bon. Oui, après, ça dépend. Voilà, je peux pas vous répondre oui ou non tant que, enfin, si, sans connaître votre méthode et voir si elle tient la route en termes de rigueur mathématique. Mais voilà, si vous avez employé un autre raisonnement que Thalès, mais un raisonnement rigoureux, oui. Ce qui compte, c'est la rigueur, hein. Ce qui compte, c'est la rigueur mathématique. C'est là-dessus que vous êtes évalué, hein. C'est sur votre rigueur mathématique, votre rigueur dans vos raisonnements, dans vos explications et dans vos justifications. Elle a utilisé la mesure de l'angle. La mesure de l'angle, c'est-à-dire la trigonométrie, parce que là, on n'avait pas de mesure d'angle. Donc, ça ne doit pas être très bon, hein, mais ça, oui, c'est ça, oui. Elle est passée par la trigonométrie. Oui. Oui,
Après, on pouvait passer par la trigonométrie, tout à fait, hein, c'était possible, mais il fallait bien dire qu'on était donc dans des triangles rectangles, hein, par contre. D'accord? N'oubliez pas que quand vous utilisez des relations trigonométriques, les relations trigonométriques s'appliquent uniquement dans un triangle rectangle. Donc, il faut absolument que cette information apparaisse sur votre copie. Mais sinon, oui, vous pouviez y arriver par la trigonométrie, c'était possible. Merci Agnès. Ensuite, partie C, donc là on vous disait, Romain veut frapper du pied dans le ballon pour le faire passer au-dessus de la barre transversale et entre les poteaux de but. On suppose que le ballon se déplace dans un plan orthogonal, donc au plan du but. Donc au moment du coup de pied, le ballon se trouve au sol au point haut, c'est-à-dire ici, face au poteau à une distance de 40 mètres. Donc on a 40 mètres entre donc, le buteur et les poteaux. Donc, Romain tape trois coups de pied différents illustrés par les trajectoires du ballon données ci-dessous. Le ballon se déplace dans un plan orthogonal au plan des buts. Donc, on vous demandait, la question est ici, quel coup de pied permet à Romain de faire passer le ballon au-dessus de la barre transversale justifiée? Donc là, en fait, il fallait repérer à chaque fois sur l'axe des abscisses la valeur 40, hein, puisque l'axe des abscisses représente la distance en mètres entre le point de départ finalement du ballon est son point d'arrivée. Donc, il fallait repérer cette valeur 40, aller donc remonter parallèlement à l'axe des ordonnées jusqu'à la courbe, puis se déplacer parallèlement à l'axe des abscisses pour trouver donc la hauteur en mètres du ballon à une distance donc de 40 mètres. Donc, pour le coup de pied A, on a le ballon qui est à 2 mètres de hauteur. Donc, ce coup de pied ne convient pas. Pour le coup de pied B, ben, à 40 mètres, la balle retombe au sol. Donc là, ça ne convient pas non plus. Et pour le coup de pied C, donc à 40 mètres de distance, donc on remonte jusqu'à la courbe, on se déplace, on va sur l'axe des ordonnées N8. Donc, ce qui fait qu'à 40 mètres de distance à partir de son point de départ, le ballon est à 8 mètres de hauteur. Il va donc passer au-dessus de la barre transversale puisque celle-ci est à 3 mètres de hauteur. Donc, c'est le coup de pied C qui convient. Ensuite, on vous dit, Romain se trouve maintenant à une distance de 55 mètres face au but. Il tente un coup de pied illustré par la trajectoire de ballon donnée ci-dessous. Donc, on a la trajectoire du ballon ici et on vous demande, petit a, Romain a-t-il réussi à faire passer le ballon au-dessus de la barre transversale justifiée? Donc là, il est à une distance de 55 mètres, donc même procédé, on repère 55 sur l'axe des abscisses, on remonte jusqu'à la courbe, on se déplace, on va sur l'axe des ordonnées et on arrive donc entre 6 et 5. Donc moi, j'ai mis environ 6,5. Donc, ce qui est important, c'est qu'on soit au-dessus des 3 mètres. Donc, oui, parce que il a réussi à faire passer le ballon au-dessus de la barre transversale, puisque le ballon est à une hauteur supérieure à 3 mètres. À quelle hauteur maximale le ballon s'est-il élevé? Donc là, il faut repérer le sommet de la courbe. Donc, en repérant le sommet de la courbe, pareil, on se déplace, on va sur l'axe des ordonnées. Donc là, on arrive à une valeur comprise entre 18 et 19. Donc là, j'ai mis environ 18,5. Donc, le ballon s'est élevé à une hauteur maximale de 18,5 mètres. Et petit c, à quelle distance derrière la ligne de but le ballon est-il retombé à terre? Donc là, il est retombé 6 mètres derrière la ligne de but, hein, puisque la ligne de but, on sait qu'elle est à 55 mètres, donc ici. Et le ballon retombe à terre lorsque donc on a y égale 0, c'est-à-dire une hauteur égale à 0 mètre. Et ici, donc, on a un point de coordonnées 61, 0. Donc, on en déduit que le ballon retombe à terre à 61 mètres après donc, son départ, après le coup de pied. Et donc, on a une différence ici de 6 mètres. Ensuite, pour la suite du problème, on admet que le ballon suit la trajectoire donnée par la courbe représentative de la fonction f définie par f de x égale, donc moins 0,02x carré plus 1,22x, où f de x représente la hauteur du ballon en mètres pour une longueur au sol x en mètres. Donc x représente
La distance en mètres est f de x, donc le résultat va représenter la hauteur du ballon. Et on vous dit, donc Romain étudie cette fonction f grâce à une feuille de calcul à tableur, dont voici un extrait. Alors, quelle formule a-t-il entrée dans la cellule B2 puis étirée pour compléter ce tableau? Donc, j'ai mis la réponse ici. Donc là, il suffit de reprendre la fonction qu'on vous donnait initialement, hein, qui est ici, la fonction f. Et pour calculer, pour trouver le résultat qui est là, donc il va falloir remplacer x par 25, c'est-à-dire par la valeur qui se trouve dans la cellule. Non, attendez, je me suis trompée là. Je réponds. Non, pardon, je suis en train d'anticiper sur une autre question. Je reviens sur quelle formule a-t-il entré dans la cellule B2. Donc je suis ici, pardon. Puis tiré pour compléter ce tableau. Donc là, pour calculer la valeur, cette valeur-là, il va falloir remplacer x par la valeur qui se trouve dans la cellule B1. Donc on reprend la forme de la fonction et on va remplacer donc x par B1, donc ce qui vous donne égal moins 0,02 fois B1 au carré plus 1,22 fois B1. Et on va pouvoir donc étirer cette formule vers la droite, qui se transformera ensuite en moins 0,02 fois C1 plus au carré, pardon, plus 1,22 fois C1, etc. Quelle valeur devrait-il obtenir dans la cellule F2 justifiée? Donc, c'est là qu'on a dans la cellule F2 qu'on a le 18. Donc là, il suffit de calculer f de 25, hein, de reprendre la fonction f et de remplacer x par 25 pour trouver, donc on va trouver 18 par le calcul. Quelle cellule permet de confirmer que le ballon est bien passé au-dessus de la barre transversale justifiée? Donc, il s'agit de la cellule J2 qui est ici, hein, puisque cette cellule J2 correspond donc à la distance de 55 mètres, la distance à laquelle se trouve Romain. Et à cette distance de 55 mètres, donc le ballon se trouvera à 6,6 mètres de hauteur, donc il passera bien au-dessus de la barre transversale, puisque 6,6 est strictement supérieur à 3. Ensuite, utilisez l'expression algébrique de la fonction f pour déterminer à quelle distance derrière la ligne de but le ballon est retombé à terre. Donc, on veut que la distance, en fait, que la hauteur soit égale à 0. Donc, ça revient à résoudre l'équation f de x égale 0. Donc, on va avoir moins 0,02x carré plus 1,22x égale 0. Donc là, on a une équation du second degré. Donc, la résolution d'une équation du second degré, pardon, n'est pas au programme du CRPE. Donc, vous allez chercher à voir, à modifier en fait cette expression. Et là, on remarque qu'on peut mettre x en facteur. Donc, ça vous fait x facteur de moins 0,02x plus 1,22 égale 0. On obtient ainsi ce qu'on appelle une équation produit. Un produit de facteurs est nul si l'un au moins de ces facteurs est nul. Ce qui nous amène à x égale 0 ou moins 0,02x plus 1,22 égale 0. En résolvant cette équation-là, on trouve x égale 61. Donc, x égale 0 correspond à la situation donc, du point de départ du ballon, hein, c'est-à-dire que le ballon n'est encore pas parti. Et x égale 61 donc, correspond au point d'arrivée du ballon lorsqu'il tombe à terre. Donc, le ballon arrive à terre à 61 mètres de son départ. Et si on fait 61 moins 55, on retrouve bien donc les 6 mètres qu'on avait trouvés graphiquement. Donc voilà pour cette première partie du groupement 2. Alors, une question de Pierre. Pardon. Pour les questions de A, de B, de C, donner le résultat, était-il suffisant ou fallait-il justifier ici pour de alors, A, de B, de C. On vous demandait de justifier, hein. On vous demandait de justifier, donc là, de toute façon, il fallait justifier. Là, on ne vous demande pas de justifier, mais c'est ce que je dis toujours, même quand on ne vous demande pas de justifier, il faut toujours justifier. Donc, on attend un minimum de justification. Et dans la C, on vous demandait aussi de justifier.
C'est bon, pas d'autres questions, Jean-Paul? Il y a d'autres questions, mais c'est plus, moi j'ai noté ceci, est-ce que c'est bon? Donc je pense qu'on n'a pas le temps. Eh oui, le problème, c'est là que c'est que je n'ai pas le temps, en fait, parce que comment je vais voir les deux sujets, Ça, c'est ça. oui, Je le suis souci, c'est désolé ça. pour ceux qui ont posé des questions très précises, mais on a un devoir Oui, d'avancer. alors, pour les personnes donc, qui ont passé le concours, hein, ne vous focalisez pas sur le corrigé, d'accord? Parce que de toute façon, dans un concours, il y a des paramètres sur lesquels vous ne pouvez pas, vous n'avez pas d'influence. Donc, maintenant, il faut que vous considériez que les écrits sont derrière vous et il faut vous concentrer sur les oraux. Pour les écrits, les jeux sont faits. Donc, ça ne sert à rien de vous poser des questions. Oui, mais moi, j'ai écrit ci, est-ce que ça va être validé? J'ai écrit ça, est-ce que ça va être validé? Donc, ça ne changera en rien les choses. Il faut absolument que vous restiez concentré pour la préparation aux oraux. Hein, et voilà. Donc, ne vous posez pas de questions par rapport à ça. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Alors, ensuite, pour le groupement 1, donc on va voir la deuxième partie du groupement 1. Donc, la deuxième partie du groupement 1 était composée de trois exercices. Il y avait en tout 14 questions. Par contre, la deuxième partie du groupement 1, je l'ai trouvée plus intéressante que celle du groupement 2. Donc, on avait un exercice sur le calcul des probabilités avec, alors là, il y avait une difficulté, c'est qu'il y avait un dé qui était truqué, c'est-à-dire qu'on était dans une situation qui n'était pas écrit probable. Ensuite, on avait un deuxième exercice de géométrie dans l'espace, dont la principale difficulté était qu'on vous demandait la construction d'un patron en vraie grandeur. Et c'est le type de question qui est chronophage, qui vous prend du temps. Et ensuite, un troisième exercice sur Scratch avec des calculs algébriques qui, lui, n'avait pas de difficulté particulière. Alors, concernant donc le premier exercice, que je jongle avec mon zoom, voilà. Alors, premier exercice, donc on vous disait, Rémi joue avec un dé truqué, il sait qu'il a la même probabilité d'obtenir 1, 2, 3, 4 ou 5. Il sait également que la probabilité d'obtenir 6 est de 1,5. Donc, on est dans une situation qui n'est pas écrit probable, puisqu'on n'a pas le même nombre de chances finalement d'obtenir tel ou tel nombre. Par contre, pour les nombres 1, 2, 3, 4 ou 5, pour ces 5 nombres-là, par contre, on va être dans une situation d'écrit probabilité. Alors, on vous demandait quelle est la probabilité qu'il obtienne 3. Donc, j'ai nommé N, le nombre obtenu pour faciliter mes écritures. Donc, probabilité qu'il obtienne 3, en fait, elle va être constituée de quoi, cette probabilité? Donc, de la probabilité déjà qu'il obtienne un de ces 5 nombres et de la probabilité que parmi ces 5 nombres, il obtienne donc le 3. Donc, probabilité qu'il obtienne un de ces 5 nombres, c'est 1,5. Puisqu'on a 1,5 pour le 6, donc on va avoir 1,5 pour les 5 autres. Et donc fois, je vous rappelle qu'en probabilité, le et se traduit par un fois. Et parmi ces 5 nombres, probabilité qu'il obtienne le 3. Donc par contre, parmi ces 5 nombres, on est dans une situation d'écrit probabilité, c'est-à-dire qu'on a autant de chances d'obtenir l'un ou l'autre. Hein. Donc, on va avoir pour chacun finalement une chance sur 5 d'obtenir le 1, le 2, le 3, le 4 ou le 5. Donc, fois un cinquième, ce qui nous donnait donc une probabilité de 1 dixième. Ensuite, quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair? Donc là, j'ai remarqué qu'on avait écrit probabilité pour ces 5 nombres-là, c'est-à-dire que la probabilité de chacun de ces nombres est égale à 1 dixième. Donc, probabilité d'obtenir un nombre pair, elle va être constituée de quoi? Donc, de la probabilité d'obtenir 2 ou de la probabilité d'obtenir 4 ou de la probabilité d'obtenir 6. Je vous rappelle que le ou en probabilité se traduit par un plus. Donc, probabilité d'obtenir 2, 1 dixième, ou donc plus obtenir 4, 1 dixième, ou donc plus obtenir 6, 1 demi. Et après réduction, on obtenait donc un résultat de 7 dixièmes.
Rémi souhaite obtenir un résultat strictement supérieur à 4. A-t-il intérêt à utiliser son dé truqué ou un dé équilibré, justifié ? Donc, on veut un résultat strictement supérieur à 4. Donc, ce qui fait que bah, pour les deux situations, hein, que ce soit avec le dé truqué ou le dé équilibré, peu importe, ça va être soit obtenir 5, soit obtenir 6. Donc, avec le dé truqué, la probabilité d'obtenir 5 ou la probabilité d'obtenir 6 va se traduire donc par un dixième plus un demi. Et après réduction, ça vous donne donc 3 cinquièmes. Et pour le dé équilibré, donc probabilité d'obtenir 5, un sixième, ou donc plus probabilité d'obtenir 6, un sixième. Et après réduction, on obtient un tiers. On a un tiers qui est plus petit qu'un demi, lui-même plus petit que 3 cinquièmes. Donc, il a intérêt à utiliser son dé truqué. Ensuite, quatrième question, on vous dit Rémi doit lancer son dé truqué et un dé équilibré. Le résultat obtenu sera la somme des résultats obtenus sur chaque dé. Alors, quelle est la probabilité qu'il obtienne 12? Alors, probabilité qu'il obtienne 12, de toute façon, il n'y a qu'une seule possibilité, hein, puisque sur les dés, on a les nombres de 1 à 6. Donc, la seule possibilité, c'est qu'il obtienne 2, 6. Ça va être la seule possibilité. Donc, s'il obtient 6 avec le dé truqué, donc il a une chance sur 2. Et donc, fois probabilité d'obtenir 6 sur le dé équilibré, donc un sixième. Donc, ça vous faisait un demi fois un sixième, soit un douzième. Quelle est la probabilité qu'il obtienne 10? Donc là, il peut obtenir 10 soit en obtenant 2, 5, ou en obtenant un 4 et un 6, un 4 avec le dé truqué et un 6 avec le dé équilibré, ou d'obtenir un 6 avec le dé truqué, voilà, je vais y arriver, ou obtenir un 4 avec le dé équilibré. Donc, ce qui fait qu'on obtenait donc un dixième fois un sixième, ce qui correspond à cette situation-là. Ensuite, plus un dixième fois un sixième, ce qui va correspondre à cette situation-là, si en premier, je considère que j'ai le dé truqué. Plus, donc, un demi fois un sixième pour cette situation-là, ça étant le dé truqué, ça étant le dé équilibré. Donc, après avoir fait les opérations et après réduction, on obtient un résultat final de 7 soixantièmes. Alors, y a-t-il des questions sur cet exercice, Jean-Paul ? Alors, Carole évoque une anxiété. Du coup, si on se trompait à la question 1, le reste des questions étaient globalement erronées. Là encore, le raisonnement peut compter. Alors, le raisonnement peut compter, tout à fait. Hein, tout à fait. Ne vous inquiétez pas, Carole, ne soyez pas en panique. Si effectivement, là, votre résultat était faux, et que bah, ce résultat-là, effectivement, on en a besoin pour les questions suivantes. Mais si votre raisonnement est correct, vous aurez des points pour le raisonnement. Pas d'autres questions ? Voilà. Et puis, il y avait Aja qui demandait, doit-on nécessairement écrire P facteur de N égale 3 ? Non, moi, c'est une notation que moi, j'ai choisie hein, pour que ce soit plus clair. Voilà. Et puis, Laura demande une idée du barème parce qu'on n'en parle pas depuis le début. Pas du tout. Aucune idée. À part les 13 points. À part les 13 points pour les 3 exercices. Oui, c'est un peu comme hier avec Véronique. Ouais. On peut éventuellement se dire, mais bon, pas plus. Voilà, c'est tout, Agnès. D'accord. Ensuite, deuxième exercice, donc qui portait sur la géométrie dans l'espace où vous aviez une pyramide régulière à base carrée. Donc, je vous rappelle qu'une pyramide régulière est une pyramide dont la base est un polygone régulier. Donc là, le polygone, c'est le carré et dont le pied de la hauteur est le centre de ce polygone. Donc, ce qui amène à avoir dans une pyramide régulière des faces triangulaires qui sont toutes isométriques, c'est-à-dire toutes parfaitement superposables et qui sont constituées de triangles isocèles. Donc ça, c'est la définition d'une pyramide régulière.
Et on vous donnait donc la longueur des côtés du carré ABCD, qui est de 4 cm. Et on vous demandait, première question, de déterminer la valeur exacte de EO, de la distance EO. Donc votre distance EO, elle est ici. Et on vous disait, ici vous aviez une information importante, on vous disait que EO égale AC. Donc AC est la diagonale du carré ABCD. Donc en fait, pour trouver EO, ben, il va suffire de calculer la longueur de cette diagonale. Donc là, vous aviez deux possibilités. Soit vous vous placiez dans le triangle ABC, rectangle en B, et vous utilisiez le théorème de Pythagore dans ce triangle. Ou vous pouviez aussi utiliser la définition suivante. Dans un carré de côté petit a, la longueur de la diagonale est a racine de 2. Donc vous pouviez utiliser l'un ou l'autre. Donc on arrivait à un résultat de 4 racines de 2 centimètres. Alors attention, on vous demandait la valeur exacte. Hein. Donc il n'est pas question ici de donner une valeur approchée. Ensuite, calculer la valeur exacte de la longueur AE. Donc la longueur AE, elle est ici. Et en déduire que son arrondi au millimètre est de 6,3 cm. Donc pour calculer cette longueur AE, on peut se placer donc dans le triangle AEO, donc dans ce triangle-là, d'accord? La pyramide étant régulière, on a EO perpendiculaire à AO. On a donc un triangle rectangle en haut. Donc, à l'aide du théorème de Pythagore, on va pouvoir calculer cette longueur AE, sachant que dans un carré, les diagonales se coupent en leur milieu. Donc, AO est égal à la moitié de AC, AC, dont on connaît la mesure. Donc, ça va vous donner 2 racines de 2 au carré, plus 4 racines de 2 au carré, ce qui va vous donner donc 40 comme résultat. Et donc, racine carrée de 40, ça va vous donner 2 racines de 10 comme résultat. Donc, la longueur AE est égale à 2 racines de 10 cm. Et ensuite, troisième question, vous demandez de tracer un patron de la pyramide ABCDE en vraie grandeur. Donc, attention au piège, hein, en vraie grandeur, il ne fallait pas prendre 6,3 cm parce que là, oui, j'en ai pas parlé. Si on fait la valeur approchée de ça, on retombe bien sur le résultat demandé, 6,3 cm. Donc, il ne faut pas prendre comme valeur approchée 6,3 cm pour construire votre pyramide. Il fallait réussir donc à construire un segment de mesure exacte de racine de 10 cm. Donc, pour construire un segment de mesure de racine de 10 cm, donc là, je vous ai décrit une procédure. Vous pouviez donc tracer un carré ABCD de côté 4 cm, puis tracer les diagonales avec O leur point d'intersection. Ensuite, tracer un point E' symétrique de O par rapport à D, c'est-à-dire que là, si on était dans le plan, hein, là on est en perspective, mais imaginez que votre carré ABCD soit une figure plane représentée donc en 2D. Donc là, on aurait en fait le point E' qui serait symétrique du point O par rapport à D. Donc, on aurait une longueur O' en fait qui serait égale à la longueur AC, c'est-à-dire à la longueur EO. Donc, ceci nous permettrait d'obtenir la longueur EO. Et ensuite, donc, il suffit de tracer le segment AE'. Et le segment AE' en fait va représenter notre mesure AE. Donc, on a la mesure AE. Donc, après, on trace de nouveau un nouveau carré ABCD de 4 cm de côté pour faire le patron de la pyramide. Hein, il ne faut pas mélanger les deux figures. Puis, à partir du côté du carré, donc, on va reporter la longueur AE à l'aide du compas de manière à pouvoir construire donc 4 triangles isocèles qui seront donc les faces de la pyramide. Et là, je vous ai mis attention à coder les longueurs. Hein, très important, pensez à coder les longueurs sur vos patrons et à mettre le nom des sommets également. Des questions, Jean-Paul?
Non, non, il n'y a pas de question. Il y a juste, malheureusement, au fil de ton déroulé, certains de nos étudiants qui, soit en présentiel, soit qui disent c'est raté, c'est foutu, c'est pas bon, j'ai Non, proposé. non, 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 je ne veux pas entendre ce genre de non, 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 je ne veux pas entendre ça. Non, non, il n'y a rien, il n'y a rien de. Je vais me mettre en colère là. Non. Oui, parce qu'il y a tellement de choses, c'est qu'un exercice en fait. Oui, c'est qu'un exercice, c'est qu'un exercice. D'accord? Et je vous ai dit, c'est un concours. Donc déjà, ça dépend du nombre de personnes présentes. Vous avez vu que majoritairement, vous avez constaté que finalement, il y avait peu de présents par rapport au nombre d'inscrits. Hein. Donc déjà, ça, c'est une bonne chose. D'accord? Et de toute façon, la copie parfaite n'existe pas. Donc tout le monde a fait des erreurs. Nécessairement, tout le monde a fait des erreurs. Donc voilà. Ensuite, troisième exercice. Donc, c'était un exercice sur Scratch qui n'était pas particulièrement difficile, qui pouvait un peu déstabiliser avec cette histoire de variables-là, mais qui n'était pas difficile. En plus, donc là, on vous proposait deux programmes. On vous disait que le nombre entré par l'utilisateur est stocké dans la variable réponse. Et on entre donc différents nombres dans les deux programmes. Donc, avec le programme A, montrer que si on entre le nombre 5, on obtient 6. Donc, déjà, cette première question pouvait vous mettre sur la piste concernant la compréhension du programme et la compréhension de cette histoire, en fait, de variables-là. Donc, là, j'ai mis mon calcul ici en bas. Donc, là, on vous dit entrer un nombre. Donc, on entre le nombre 5. Mettre ma variable à réponse, c'est-à-dire que ma variable va être égale à 5. Ajouter à ma variable, c'est-à-dire à 5, moins 4. Donc 5 plus moins 4, ça vous donne donc 1. Ensuite, ma variable, donc ma nouvelle variable, en fait, ça va être 1. Ma variable à 3 fois ma variable, donc ça va vous faire 3 fois 1, 3. Et ensuite, ajouter à ma variable, donc c'est-à-dire à 3, au résultat obtenu précédemment, 3. Donc 3 plus 3, 6. Donc ça vous faisait 5 moins 4 égale 1, 3 fois 1 égale 3, 3 plus 3 égale 6. Donc on retrouvait bien le 6 demandé. Donc ça, déjà, ça pouvait vous aider à comprendre le programme. Ensuite, quel est le nombre obtenu si on entre le nombre 5 avec le programme B? Donc, le programme B, donc on entre 5, mettre ma variable à 3 fois donc, la réponse, donc 3 fois 5, qui va vous donner 15. Ajouter à ma variable, c'est-à-dire à 15 moins 9. Donc, 15 plus moins 9, ça vous fait 15 moins 9. Donc, la réponse est 6. Donc, on va trouver 6 comme nombre avec le programme B. Et on vous demande, question C, calculer le nombre obtenu avec les programmes A et B. Si on entre le nombre 5,2. Alors, avec le programme A ici, ça va nous donner 5,2 moins 4 qui nous donne 1,2. Ensuite, 3 fois 1,2 qui nous donne 3,6. Et enfin, 3,6 plus 3 qui nous donne 6,6. Et pour le programme B, ça va nous donner 3 fois 5,2 égale 15,6. 15,6 moins 9 égale 6,6. Et on vous dit dans la question D, quelle conjecture pouvez-vous émettre, valider ou rejeter votre conjecture par une démonstration? Donc, on se rend compte en fait que dans les questions A et B, on obtient le même résultat pour les deux programmes. Dans la question C, on obtient le même résultat avec les deux programmes lorsqu'on entre le même nombre. Donc, la conjecture sera les deux programmes donnent le même résultat. Donc là, on vous demande de démontrer, oui, quelle conjecture, valider ou rejeter votre conjecture par une démonstration, pardon, j'avais perdu le fil. Donc là, je vais appeler x en fait ma variable. Donc si j'applique le programme A, ça va me faire 3 facteurs de x moins 4 plus 3. Je réduis ceci, ça va me faire 3x moins 12 plus 3. Ce qui va me donner au final 3x moins 9. Et si j'applique le programme B, donc si j'appelle ma variable x, hein,
Donc 3x, 3x moins 9. Donc là, je n'ai rien à calculer. Mon programme B me donne 3x moins 9. Donc on constate que les deux programmes donnent bien donc la même expression. Donc on obtiendra le même résultat avec les deux programmes lorsqu'on rentrera initialement le même nombre. Montrer que le résultat obtenu avec le programme B est divisible par 3, quel que soit le nombre entier entré dans le programme. Donc on va avoir 3x moins 9, donc ce qui est l'expression de mon programme B. Donc 3x moins 9, je remarque que je peux mettre 3 en facteur, ce qui est égal donc à 3 facteurs de x moins 3. Je sais que x est un entier, j'en déduis que x moins 3 est lui-même un entier. Donc 3 facteurs de x moins 3 est un multiple de 3, il est donc divisible par 3. Donc voilà. Alors Agnès, qu'en est-il de la question 2? Tu l'as passée ou est-ce que Anne-Laure demande? Ah oui, pardon. Oui, tout à fait, voilà. Vous avez raison. Oui, je l'ai sauté. Certains suivent. Tout à fait. Je reviens dessus. Je l'ai sauté. Vous avez raison. Donc, on vous demandait question 2. Quel nombre faut-il entrer avec le programme B pour obtenir la réponse 14? Donc là, on sait que le programme B s'exprime 3x moins 9. Donc, on va avoir 3x moins 9 égale 14, qui vous donne donc 3x égale 23, soit x égale 23 tiers. 23 tiers étant un rationnel non décimal. Donc, vous êtes obligé de le laisser sous forme fractionnaire. Voilà, pas d'autres questions. Pas d'autres questions? Non, non. OK. Alors, ensuite, on va passer à la deuxième partie du groupement 2. Donc, que j'ai trouvé un petit peu moins intéressante en termes de difficultés. Donc, cette deuxième partie était composée de 4 exercices. Il y avait en tout 18 questions. Donc, vous aviez un exercice de géométrie dans l'espace, un exercice de statistique, un exercice de scratch sur la géométrie plane et un vrai-faux sur les probabilités. Et dans aucun de ces exercices, il n'y avait de difficultés particulières. Il n'y avait rien de particulier en termes de difficultés et pas de piège non plus. Donc là, pour le premier exercice, donc qui concernait la géométrie dans l'espace. Donc, on vous donnait la représentation en perspective d'un silo de stockage qui était composé donc d'un pavé droit et d'une pyramide tronquée. On vous donnait différentes informations, notamment la hauteur de la pyramide tronquée qui était de 1,2 m et son volume de cette pyramide qui était de 2 mètres cubes. Et on vous disait, sachant que le volume T du silo est de 12,26 mètres cubes, calculer la hauteur du pavé droit. Donc, on trouvait ici une hauteur de 3,8 mètres, c'est-à-dire que là, en fait, le volume total de 12,26 mètres cubes, il va être composé de V1 plus V2. V2, on connaît sa valeur, c'est 2 mètres cubes. Et V1, donc lui, on va le trouver en faisant R de la base fois la hauteur. L'R de la base avec 1,5 fois 1,8 fois la hauteur qu'on ne connaît pas. Donc, on arrivait à une équation de la forme 12,26 égale 1,5 fois 1,8 fois H plus 2. Et au final, donc en résolvant cette équation, on trouvait une hauteur pour ce pavé droit, une hauteur de 3,8 mètres. On vous disait ensuite en déduire la hauteur totale du silo. Alors, je n'ai pas vu franchement l'intérêt de cette question, parce que la hauteur totale du silo, donc c'est la hauteur du pavé droit plus la hauteur de la pyramide. Donc, la hauteur du pavé droit, elle est de 3,8 mètres, la hauteur de la pyramide de 1,2 mètres, ce qui nous fait une hauteur totale de 5 mètres. Ensuite, pour un même volume et une même hauteur, quel serait le diamètre d'un silo cylindrique, arrondir au dixième de mètre? Et on vous rappelait donc la formule pour calculer le volume d'un cylindre. Donc là, en fait, il fallait ici considérer que là, pour un silo cylindrique, donc, on va avoir besoin de l'air de la base, c'est-à-dire pi r au carré fois la hauteur. Donc, on va arriver à une équation du type 12,26 égale pi fois r au carré fois 5.
Et en résolvant cette équation, on trouvait r égale racine carrée de 12,26 sur 5π. Et on obtient donc, en arrondi, on obtient un diamètre de 1,8 m. Voilà. Oui, il fallait faire attention. Là, j'étais en train de réfléchir à quelque chose. Donc, ce qu'on calculait précédemment, c'était le rayon. Donc, on trouvait la valeur du rayon. Donc, il ne fallait pas oublier de multiplier cette valeur par 2, puisqu'on vous demandait donc le diamètre. Donc, là, il fallait être attentif. Et donc, valeur arrondie au dixième, ça vous donne donc un chiffre après la virgule. Donc, voilà pour ce deuxième premier exercice. Des questions, Jean-Paul ? Non, non, il n'y a aucun commentaire. OK. Ensuite, deuxième exercice. Donc, il s'agissait d'un exercice de statistique. Donc là, on vous décrivait une situation donc, d'une entreprise qui avait deux sites, Toulouse et Montauban. On vous donnait le nombre d'employés. On vous donnait pour Montauban différentes informations. Et pour Toulouse, vous aviez un diagramme en barre. Et on vous demandait, on vous disait, la chef d'entreprise affirme que plus de 40% des personnes travaillant à Toulouse gagnent plus de 2000 euros. Est-ce vrai? Justifiez la réponse. Donc, on va trouver qu'il y en a en fait environ 42%. Donc, il suffit de prendre en fait, de lire sur le diagramme. Bien qu'on ne connaisse pas les valeurs ici, peu importe, puisque ici, c'est rangé par ordre croissant. Donc, on va compter les effectifs. Donc, à partir de là, donc on va avoir 4 et 3, 7 et 1, 8. Donc, on va avoir 8 personnes sur 19 en tout, puisqu'on a 19 employés à Toulouse. Donc, 8 sur 19 fois 100 qui vous donne donc environ 42%. Donc, l'affirmation est vraie. Ensuite, on vous disait, deuxième question, sur le site de Toulouse, donc l'étendue des salaires est égale à 1890 euros et le salaire moyen est de 1935 euros. Déterminer la valeur du plus haut salaire de Toulouse. Donc, comme on connaissait l'étendue des salaires, on connaît le salaire minimum qui est de 1410 euros. Donc là, il suffisait de faire 1410 plus donc, l'étendue, c'est-à-dire plus 1890, et on trouvait un total de 3300 euros. Déterminer la valeur des salaires correspondant à l'avant-dernière barre du graphique présentant la répartition des salaires à Toulouse en 2020. Donc là, en fait, on va être obligé de passer ici par le salaire moyen. Donc, la valeur de ce salaire. Donc, salaire moyen, puisqu'on connaît sa valeur. Le salaire moyen, on y va être calculé en faisant donc 2 fois 1410, plus 4 fois 1590, plus 3 fois 1760, plus 2 fois 1920, plus 4 fois 2100, plus x, plus 3 fois x, pardon, plus 3 fois x, hein, puisque cette valeur-là, on ne la connaît pas, c'est celle qu'on cherche, plus une fois, donc le salaire le plus élevé, on le connaît, c'est 3300, pardon, plus une fois 3300. Et tout ça divisé par 19, qui doit être égal donc à 1935 au salaire moyen. Et donc, on arrive à une équation à une inconnue, 30 000 plus 3x égale 36 765. Et on trouve donc x égale 2255. Donc, on a ici la dernière valeur, ici, l'avant-dernière, pardon, des valeurs des salaires qui est égale à 2255 euros. Ensuite, on vous demandait de déterminer le salaire médian des employés de Toulouse. Donc là, il faut faire ben, les effectifs cumulés. Hein. En tout, on avait 19 employés. Oui, c'est ça, 19 employés. Donc, ce qui fait que le salaire médian va correspondre au salaire ici de la dixième personne, des effectifs cumulés croissants. Et en faisant les effectifs cumulés croissants, on trouve donc 1900 euros pour la dixième personne, qui donne donc le salaire médian. Ensuite, calculer le salaire moyen de l'ensemble du personnel de cette entreprise, arrondir à l'unité. Donc, attention, là, il y avait un petit piège quand même. Hein. Il ne fallait surtout pas prendre les salaires moyens des deux sites, c'est-à-dire 1520 et
le salaire moyen de, j'avais perdu, voilà, 1935, je vais rechercher. 1935 pour Toulouse, 1520 pour Montauban. Il fallait surtout pas faire la somme des deux et diviser par deux, puisque les effectifs ne sont pas les mêmes dans les deux entreprises. Donc, il fallait faire 1935 fois 19 plus 1520 fois 12 et le tout divisé par le nombre total de personnes, c'est-à-dire par 31. Et on trouvait donc un salaire moyen environ égal à 1774 euros. Ensuite, en 2021, la chef d'entreprise souhaiterait octroyer une augmentation de 10% à tous les employés travaillant à Montauban. Quel sera alors le salaire minimum à Montauban en 2021? Donc là, il suffit de faire 1410, hein, puisque le salaire minimum à Montauban est de 1410. 1410 multiplié par 1,1, qui vous donne donc 1551 euros comme résultat. Et ensuite, de quel pourcentage aurait-il fallu augmenter les salaires de Montauban pour que le salaire moyen soit le même sur les deux sites? Justifié, on en donnera le résultat arrondi au dixième d'unité de pourcentage. Donc là, on veut donc augmenter le salaire moyen de Montauban qui est de 1520 euros. Donc, on va le multiplier, on va faire 1520 facteur de 1 plus T sur 100. Et ceci doit être égal à 1935. Et en résolvant cette équation, donc on trouve T environ égal à 27,3, ce qui nous donne donc un pourcentage d'environ 27,3%. Des questions, Jean-Paul? Alors, il y a une question générale d'Amandine, et ça revient sur la notation, sur la notation des questions. Faut-il privilégier le nombre de réponses, donc plus de questions traitées mais pas vraiment rédigées, ou la qualité de la rédaction, donc moins de questions traitées mais mieux rédigées? Difficile à répondre, hein. Difficile à répondre, difficile à répondre parce que je vais vous dire que les exigences ne sont pas les mêmes selon les académies, malheureusement. Donc voilà. Donc, par exemple, dans l'académie d'Aix, là où j'interviens donc en présentiel, et là où j'interviens depuis 2004, donc ce qui fait que j'ai de l'expérience par rapport à ça, c'est une académie où il y a beaucoup de candidats pour peu de postes finalement par rapport au nombre de candidats. Donc les jurys, les correcteurs seront exigeants en termes de rigueur, en termes rédactionnels. Par contre, des académies comme Créteil, où là, ben, ils ont besoin de monde, ils ont besoin de PE, et il n'y a pas tant de candidats que ça par rapport au nombre de postes. Donc là, ils seront beaucoup moins exigeants en termes rédactionnels, et peut-être qu'à Créteil, ben, ils privilégieront davantage le résultat en lui-même que la rédaction. Voilà. Voilà, et sur un exercice précédent, ça va être un peu embêtant peut-être pour toi, concernant le codage des longueurs. Aja demande, lorsque vous dites coder des longueurs, parlez-vous d'indiquer les cotations ou juste des lettres sur le patron? C'est une Non, question précédente. ce que j'appelle coder les longueurs, en fait, c'est mettre des symboles. Hein, quand vous avez, par exemple, dans un polygone, quand vous avez deux segments de même longueur, bah, vous mettez un petit trait sur ces deux segments, par exemple, pour montrer qu'ils sont de même longueur. C'est ça que j'appelle le codage. D'accord, okay. Ok. Et les autres, voilà, merci beaucoup. Et les autres questions ont été répondues entre eux. D'accord, ok. Voilà. Ensuite, troisième exercice qui portait sur Scratch. Donc là, vous aviez donc trois propositions de programme, hein, enfin, bloc A, bloc B, bloc C, et vous aviez trois figures. Et on vous disait donc pour chacun des blocs A, B et C, donnez le numéro de la figure correspondant. Donc là, c'était très facile puisque les polygones qu'on vous présentait avaient tous un nombre différent de côtés. Là, on avait donc trois côtés, ici cinq côtés, ici quatre côtés. Donc, il suffisait tout simplement de regarder le nombre de répétitions.
Donc, répéter 5 fois, donc ça va être le pentagone. Répéter 3 fois, ça va être le triangle. Répéter 4 fois, ça va être le carré, tout simplement. Ensuite, recopier et modifier le bloc A pour obtenir un hexagone régulier dont les côtés mesurent 50 pixels. Donc là, eh ben, un hexagone, le bloc A, il correspond au pentagone, donc 5 côtés. Donc, hexagone, c'est 6 côtés. Donc, on va faire une répétition de 6 fois. On va mettre répéter 6 fois. Donc, avancer de 50, ça, on ne va pas y toucher. Et là, on va modifier donc, l'angle de rotation. Donc, un hexagone régulier est constitué donc, de 6 triangles équilatéraux. Vous savez qu'un triangle équilatéral, les mesures de ses angles sont toutes égales à 60 degrés. Donc, on en déduit qu'un angle au sommet d'un hexagone régulier aura pour mesure 2 fois 60 degrés, 120 degrés. Et vous savez que dans Scratch, donc imaginez que ça, ce soit votre hexagone, hein, non pas un pentagone, mais votre hexagone. Vous avez ici donc votre butin qui part d'ici, qui va se déplacer de 50 et qui devra tourner. Donc, qui devra tourner pour repartir ensuite pour former en fait un segment de manière à obtenir ici un angle donc de 120 degrés. Donc, le lutin, lui, il se déplace comme ça de manière horizontale. Donc, on va le faire tourner de donc 180 degrés moins 120 degrés, c'est-à-dire qu'on va le faire tourner de 60 degrés pour obtenir ici un angle de 120 degrés. Et ensuite, donc, il va construire son deuxième segment, etc. Donc, ce qui fait que pour un hexagone régulier, il faut tourner de 60 degrés. Et ensuite, pour réaliser une figure plus complexe, on utilise le programme ci-dessous où le bloc A représente un motif. Et on vous demande quelle transformation géométrique permet de passer d'un motif au suivant. Alors, ici, donc, le bloc A représente, on vous dit que le bloc A représente un motif, donc qui est représenté ici. Ici, donc, on a répété 6 fois. Dans cette boucle-là, on a donc le bloc A. Et une fois que le bloc A a été donc construit, hein, que la figure a été construite, donc, on tourne de 60 degrés et ensuite, donc, on reconstruit de nouveau un pentagone, etc. Donc là, la transformation géométrique, ça va être une rotation. Donc, de centre, le point de coordonnée 0, 0, hein, puisque le point de départ, en fait, va toujours être le même. D'angle, 60 degrés, puisqu'on va tourner de 60 degrés. Et dans le sens direct, puisqu'on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors, je vous rappelle qu'une rotation, ces éléments caractéristiques, ça va être son centre de rotation, son angle de rotation et son sens de rotation. Donc, il fallait donner ces trois éléments-là. Ensuite, combien de motifs bloc A compose cette figure? Donc, le bloc A, en fait, il va être répété ici 6 fois. Donc, la figure finale sera composée de 6 motifs bloc A. Donc, voilà. Et ensuite, il y avait une quatrième question. On vous disait, on entre le script donné ci-dessous. Donc, cette fois-ci, on a un bloc C. C'est le bloc C qu'on va répéter donc 6 fois. Dans ce bloc C, on a une répétition de 4 fois avec donc un angle de rotation de 90 degrés, ce qui fait que ceci va nous donner donc un carré, comme on a vu donc au départ. Donc ici, on va avoir donc un carré. Ensuite, avancée de 50, on reconstruit un carré, etc. Donc au final, vous deviez dessiner donc 6 carrés collés de côté, donc 2,5 cm, puisqu'on vous donnait 1 cm pour 20 pixels, et que le côté d'un carré avait pour mesure 50 pixels. Y a-t-il des questions, Jean-Paul ? Alors, j'ai deux questions de Faustine. Le centre ne change pas à chaque fois. Comment déterminer le centre de rotation ? Et ensuite, Jennifer demande, anti-horaire, est-ce grave ?
Non, c'est pas grave. Attendez, je suis en train de boire un coup parce que je parle tellement que j'ai la gorge totalement sèche. Alors, Jennifer, deux questions. J'ai juste mis rotation et anti-horaire, est-ce grave? Et Faustine me demande par rapport au centre de rotation, comment déterminer le centre de rotation et est-ce que celui-ci change à chaque fois? Non, le centre de rotation, non, il ne va jamais changer, puisque en fait, le lutin, il part du point de coordonnée 0,0. D'accord? Et quand il a fini en fait de construire sa figure ici, quand il a fini de construire un patagone, je vais revenir sur le patagone. En fait, son point de départ au lutin, il est là. Donc, il va construire son patagone. Il avance de 50, il tourne de 72. Pardon, il tourne de 72, il avance de 50, 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 il tourne de 72. Donc, ce qui fait qu'il se retrouve à ce niveau-là, le lutin, une fois qu'il a fini de construire son patagone. Il se retrouve ici et dans cette direction-là. D'accord? Il est à ce niveau-là. Donc, il est à son point de départ. Et on vous dit donc, là, à l'endroit où il est, à l'endroit où il est arrivé, il faut tourner de 60 degrés. Donc là, il va donc tourner de 60 degrés pour reconstruire un nouveau patagone. D'accord? Et pour ce nouveau patagone, il va de nouveau se retrouver ici, etc. Un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième. À chaque fois, il se retrouve au même endroit. Donc ça va être votre centre de rotation puisque le lutin revient systématiquement à son point de départ. D'accord? Est-ce que c'est compris là? Est-ce que Jennifer, avez-vous compris, Jennifer? Bon, pour Faustine, c'est bon. Et pour les éléments caractéristiques, alors comme je vous ai dit, les éléments caractéristiques, on attend vraiment ces trois choses, hein. Donc le centre de rotation, l'angle de rotation et le sens. Or, moi, j'ai mis sens direct, mais vous pouvez mettre sens antihoraire ou vous pouvez mettre sens positif. Ces trois réponses sont recevables. Voilà, et puis Pamela a un commentaire compliqué quand on ne connaît pas Scratch, mais oui, ça je Eh comprends. oui, et ça, c'est le souci de Scratch, hein. Il faut absolument, absolument, ça, moi, je le dis, moi, j'attaque avec ça dès le mois de septembre en disant tout de suite aux étudiants, dès le départ. Allez sur Scratch, il faut manipuler Scratch impérativement. Voilà. Donc voilà, allez, on poursuit. Donc pas d'autres questions, Non, pas Jean-Paul. d'autres questions. OK. Et exercice 4 qui portait sur les probabilités. Donc là, il s'agissait d'un vrai faux. On vous disait, on lance trois fois une pièce non truquée, on obtient trois fois pile. Donc la question était, la probabilité d'obtenir face au quatrième lancé est 0,5. Donc là, les événements, en fait, sont indépendants l'un de l'autre. C'est-à-dire que comme la pièce n'est pas truquée, le résultat que vous allez obtenir à un lancer ne va absolument pas dépendre du résultat que vous avez obtenu précédemment. Donc on a, en fait, une chance sur deux à chaque lancer d'obtenir soit face, soit pile. Donc l'affirmation est vraie. Ensuite, on dispose de deux urnes. Dans chacune d'entre elles, il y a trois boules rouges et une boule verte. Ces boules sont indiscernables au toucher. On tire une boule dans une urne et une boule dans une autre. Alors, la probabilité d'obtenir deux boules vertes est un quart plus un quart, soit un demi. Donc, c'est faux. La probabilité, ça va être un quart fois un quart. C'est-à-dire qu'on veut une boule verte dans la première urne et une boule verte dans la deuxième urne. Et donc, je vous rappelle que le est se traduit par le fois. Là, ici, le 1 quart plus 1 quart traduirait la situation suivante. J'obtiens une boule verte dans la première urne ou j'obtiens une boule verte dans la deuxième urne. Donc, l'affirmation était fausse. Ensuite, on lance 2 dés équilibrés à 6 faces numérotées de 1 à 6 et on fait la somme des nombres obtenus sur les faces supérieures. La probabilité d'obtenir 3 est égale à celle d'obtenir 2. Alors, la probabilité d'obtenir 2, en fait, il n'y a pas 15 000 possibilités d'obtenir 2 en faisant la somme des 2 dés, c'est qu'on obtienne 2-1. Hein. Il faut qu'on obtienne 2-1 sur les 2 dés pour avoir un total de 2.
comme le dé est, comme les dés tous les deux sont équilibrés, donc on est dans une situation équiprobable, donc on a autant de chances d'obtenir une face qu'une autre. Donc on va avoir donc une chance sur 6 d'obtenir 1 hein, avec le premier dé et donc fois une chance sur 6 d'obtenir 1 aussi avec le deuxième dé, d'où une probabilité de 1 36e. Pour obtenir 3, probabilité d'obtenir 3, donc ça va être soit on obtient 1 sur un dé et 2 sur l'autre dé, ou 2 sur le premier dé et 1 sur le deuxième dé. Donc ça va se traduire par 1 sixième fois 1 sixième pour ceci, ou donc plus 1 sixième fois 1 sixième pour ceci, qui nous donne donc une probabilité de 2 36e. Donc l'affirmation était fausse puisqu'on obtient deux résultats différents. Faustine demande par rapport à la justification si on faisait des tableaux à double entrée, est-ce que c'était bon? Oui, c'est bon. Oui, tout à fait. Vous pouviez justifier par un tableau à double entrée, vous pouviez justifier par un arbre aussi. Tout à fait. Pas d'autres Voilà, questions? c'est tout. C'était le seul la OK. seule demande. OK. Alors ensuite, on arrive sur la partie didactique. Donc, partie 3. Alors, pour le premier groupement, pour le groupement 1, donc vous aviez 4 exercices en tout et vous aviez donc 13 questions pour cette troisième partie. Alors, vous aviez beaucoup de productions d'élèves à analyser. Vous aviez 12 productions d'élèves en tout, ce qui est une activité chronophage. On sait que les productions d'élèves, ça prend toujours beaucoup de temps. On avait deux situations au cycle 3 qui portaient sur les fractions simples et la symétrie axiale, une situation au cycle 2 qui portait sur la résolution de problèmes additifs à plusieurs étapes, et une situation au cycle 1 qui portait sur le nombre en moyenne section. Donc, c'était des thèmes tout à fait classiques, hein. Il n'y avait rien, c'était très classique. Voilà, donc pareil, pas de piège, des choses très, très, très classiques. Alors, concernant la première situation. Donc, la première situation concernait donc le cycle 3. Donc, on vous disait qu'un enseignant propose une activité consistant à fabriquer une règle graduée en quart d'unité à partir d'une bande d'unité. Chaque élève reçoit une unité manipulable à une bande vierge. Donc, l'unité manipulable, c'est celle-ci, hein, qui est ici. La bande vierge, c'est celle-ci. Et on vous donnait donc les réponses de 4 élèves. Et on vous disait, analysez les réponses proposées par les élèves en cherchant à expliciter leurs réussites et leurs erreurs. Donc là, moi, je ne vous ai donné que quelques éléments de réponse. Hein. Je n'ai pas pu traiter, bien sûr, en profondeur, parce que je n'avais pas le temps de tout traiter, pendant ce live. Donc, pour le premier élève, alors, pour le premier élève, qu'est-ce qu'on remarque? En fait, il a bien, donc là, on a l'unité, donc il a bien repéré en fait qu'il y avait une graduation finalement qui correspondait à une extrémité de l'unité, et à l'intérieur de cette unité, il a fait donc un partage en 4 parts égales. Donc, ça, c'est pour ses réussites. Et en termes erreur, c'est qu'il a associé un entier à chaque graduation. Et non pas une écriture fractionnaire. Donc, on peut penser que cet élève ne maîtrise encore pas ou n'est encore pas à l'aise en fait avec les écritures fractionnaires. Ensuite, l'élève B. Alors, l'élève B, lui, on remarque pareil que son unité correspond bien à l'extrémité. Ici, son 1 correspond bien à l'extrémité de la bande d'unité. Il a bien à chaque graduation associé une écriture fractionnaire correcte, 0 quart, 1 quart, 2 quart, 3 quarts, 1, 5 quarts, etc. On peut relever aussi en termes de réussite qu'il sait que 4 quarts c'est 1, que 8 quarts c'est 2. Donc voilà. Par contre, en termes d'erreur, ce qu'il a fait, donc il a bien fait finalement un partage en 4 de son unité, mais le souci, c'est qu'il n'a pas fait des parts égales. On voit que ses parts ne sont pas égales. Et par la suite aussi, ses parts ne sont pas égales. Ensuite, pour l'élève C, donc il a bien écrit la suite des écritures fractionnaires correctement, 1 quart, 2 quarts, 9 quarts, 4 quarts, 5 quarts, etc. Donc ça, il a su l'écrire comme il faut.
Alors, en termes d'erreur, son souci, c'est que ces écritures fractionnaires qui sont situées ici, il ne les a pas associées à une graduation, mais il les a associées à un intervalle. Donc, ce qui fait que ça l'a amené finalement, son unité qui est là, hein, si je repère l'extrémité de l'unité qui est là, ça l'a amené finalement à partager son unité en 5 parts et non pas en 4 parts. Hein, puisque on arrive ici et on a ici un partage en 5. Ensuite, ah oui, puis il y a une autre erreur ici. Donc ça, c'est dû à une surcharge cognitive, c'est-à-dire qu'il passe de 12 à 14. Il a oublié le 13 ici. Donc ça, c'est une surcharge cognitive. Ensuite, l'élève D, donc il a bien écrit les fractions qui sont comprises entre 0 et 1. 0 quart, 1 quart, 2 quarts, 3 quarts, 4 quarts. Donc lui, il a considéré la bande vierge, donc cette bande-là, comme étant la bande unité. Donc, il est possible que cet élève, lui, ait des soucis à concevoir qu'une fraction puisse être plus grande que 1. C'est possible, ça, c'est une erreur, enfin, un souci, une difficulté. Voilà, j'y arrive. C'est une difficulté que l'on rencontre souvent dans l'apprentissage d'une fraction. Certains élèves ont du mal à concevoir qu'une fraction puisse être plus grand que 1 parce que souvent, on aborde les fractions à l'aide des camemberts. Et quand on aborde une fraction avec un camembert, ben, on n'aborde pas une fraction supérieure à 1. Donc, d'où l'importance, hein, alors là, je déborde un peu, il ne faut surtout pas que je déborde. D'où l'importance, quand on aborde les fractions, de les aborder donc, à l'aide du camembert et à l'aide de la droite graduée, donc en parallèle, pour éviter justement ce type de difficulté. Et tout ça, donc tout ce qu'on est en train de dire, en fait, c'est des questions qui peuvent être, ou qui pourront être posées à l'oral l'année prochaine. Hein. Tout ça, tout ce qu'on voit, c'est des choses qui vont revenir à l'oral de toute façon. Hein. Ensuite, donc deuxième question, citer deux critères qui peuvent être présentés aux élèves pour construire correctement une règle graduée en quart à l'aide de la bande unité. Donc deux critères qu'on pourrait proposer. C'est que tous les intervalles doivent avoir la même longueur hein, pour éviter les erreurs du type de l'élève B. Et deuxième critère, on peut dire que chaque nombre doit être sous une graduation pour éviter les erreurs du type de l'élève C. Voilà, par exemple, les critères qu'on pourrait donner. Alors, il y a Aja et Anne-Laure qui, par curiosité, pour construire la graduation, était-il possible de plier la bande? Anne-Laure pose la même question. Comme procédé? C'est-à-dire de plier la bande unité en Oui. quatre, c'est ça? Oui. Oui, tout à fait. Enfin, tout à fait, je ne sais pas. Elle était manipulable, oui. Une bande unité manipulable, tout à fait. Donc, ils pouvaient très bien plier en quatre leur bande unité pour ensuite reporter, effectivement, construire leur graduation, tout à fait. Voilà, c'est tout. Ensuite, deuxième situation qui portait sur la symétrie axiale. Alors, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de la symétrie axiale au CRPE. Ça faisait un petit moment, bon, sachant que c'est quelque chose de facile, hein, il y a vraiment pareil, c'est vraiment des situations complètement classiques. Donc là, l'enseignant, on est en classe de CM2, donc l'enseignant distribue la fiche ci-contre à chacun de ses élèves. Donc, la tâche de l'élève est de reproduire et compléter la figure par symétrie. Donc, dans un premier temps, ils doivent reproduire donc, cette figure-là sur le côté gauche. Et ensuite, par symétrie, ils devront donc construire des symétries sur la partie droite. Donc, citer deux prérequis nécessaires pour réaliser cet exercice. Donc, on peut donner comme prérequis connaître la signification de par symétrie, reproduire et compléter la figure par symétrie déjà. Et ensuite, deuxième prérequis, ben, c'est d'être capable de se repérer sur un quadrillage. Identifier une variable didactique dans le choix de la forme proposée, le bateau par l'enseignant. Donc, comme variable didactique, on peut donner par exemple que certains segments ne suivent pas les lignes du quadrillage.
ça, c'est une variable didactique qu'on peut donner. Donc, la question est au singulier. Donc, faites bien attention, hein, là, on vous demande deux prérequis, donc il faut en donner exactement deux, ni plus ni moins. Là, on vous demande une variable, donc il faut en donner exactement une, pas plus. Autre variable que vous auriez pu donner, par exemple, c'est que le bateau ne possède pas lui-même d'axe de symétrie. Ça, c'est une autre variable aussi, une autre variable didactique. Ensuite, on a reproduit ci-dessous les travaux de plusieurs élèves, analysé ces productions en identifiant les réussites et en émettant des hypothèses sur les erreurs. Donc, pour le Farid. Farid, donc, en termes de réussite, c'est que les deux figures donc, sont isométriques. C'est-à-dire que si on les découpe, elles sont parfaitement superposables. Ensuite, en termes d'erreur, c'est qu'il a effectué une translation, en fait, et il n'a pas tenu compte de l'effet miroir, c'est-à-dire du retournement de la figure de la symétrie axiale. Ensuite, Lise, donc, en termes de réussite, ces figures sont isométriques et elle a respecté donc, l'effet miroir, c'est-à-dire l'effet de retournement. Et en termes d'erreur, en fait, elle s'est repérée par rapport au bord de la feuille, c'est-à-dire que le bateau qui est là est construit à un carreau du bord, donc elle a construit son symétrique à un carreau du bord, c'est-à-dire qu'elle n'a pas tenu compte de la position de l'axe de symétrie. Elle a fait comme si l'axe de symétrie, en fait, était le milieu de la feuille. Ensuite, Louane, donc en termes de réussite, donc la distance de la coque par rapport à l'axe est respectée ici. Et elle a bien, en fait, elle a bien construit par symétrie, le symétrique de la coque. Et en termes d'erreur, en fait, elle a effectué une translation pour la voile. Elle a très certainement dû être perturbée, en fait, par l'axe oblique. Le fait que l'axe soit oblique ici a dû la perturber. Ensuite, pour Baptiste, les deux figures donc, sont symétriques par rapport à l'axe donné. En termes de symétrie axiale, ces deux figures sont symétriques, pas de souci. Et en termes d'erreur, en fait, il s'est trompé au départ. Ce qu'il a fait, c'est au départ, lui, il s'est trompé dans la reproduction de la coque du bateau. Hein, puisque là, on voit qu'ici, on a trois carreaux ici pour la coque. Et lui n'a fait que deux carreaux. Donc, c'est dans son erreur, c'est initialement dans la reproduction qu'il a fait une erreur. Mais par contre, dans la construction du symétrique, il n'y a pas d'erreur. Donc voilà, y a-t-il des questions là, Jean-Paul ? Alors, c'est plus que des questions, en fait, ce sont des. Par exemple, Laura demande si on met se repérer dans l'espace pour identifier dans les premières questions, oui. Au lieu de dire un quadrillage. Oui. Voilà, après tout se donne des informations, et c'est vrai que là, en didactique, le correcteur. De toute façon, c'est des pistes. Hein. Voilà, ce sont des pistes. Moi, ce que je vous donne, c'est des pistes. Hein. C'est pas, il faut répondre absolument ça. D'accord ? Ce ne sont que des pistes de correction. Hein. Ah. Ensuite, situation 3. Donc, la situation 3 était une situation proposée en cycle 2. Donc, il s'agissait en fait d'un problème additif à plusieurs étapes. Donc, pour le carnaval, la directrice a acheté 71 masques. Il y a 42 masques de souris et 18 masques de chat et de chien. Voilà. Combien y a-t-il de masques de chien ? Voilà. Donc, on avait les productions de 4 élèves. Et on vous disait, en s'appuyant sur l'extrait de notes de service ci-dessous, donc qui portait sur les compétences modélisées et calculées, donc, on vous disait analyser les propositions d'élèves en termes de réussite et d'échec pour chacune des compétences modélisées et calculées. Voilà. Alors, concernant l'élève A. Donc, l'élève A, il a bien su modéliser le problème, c'est-à-dire qu'il a bien identifié qu'il s'agissait donc d'un problème du champ additif qui relevait aussi de la soustraction. Bien qu'il n'ait pas posé de soustraction, il a bien identifié aussi qu'il s'agissait d'un problème de soustraction, puisqu'il a cherché le complément
En fait, il a utilisé la soustraction par le biais finalement d'une addition à trous, bien qu'il soit passé par la schématisation. Donc, sa modélisation est correcte. Il a d'abord cherché donc le nombre total de masques, donc 60, et après, il a cherché le complément, donc pour arriver à 71 compléments, donc sous la forme d'un schéma. Donc, attention, hein, ne confondez pas modélisation et représentation. Donc là, la question portait sur la modélisation. Donc, la représentation, elle, ça va être ce qu'il utilise pour résoudre le problème, donc c'est-à-dire le schéma, addition en ligne, addition posée, tout ça relève de la représentation. D'accord? Donc il ne fallait pas déborder par rapport à ça. Ensuite, concernant ses calculs, donc son addition est correcte, hein, son addition est correctement posée, son calcul est correctement fait. Donc, pas de souci pour l'addition. On peut relever qu'il n'a pas recours à la soustraction en termes soustraction posée. Il n'a pas recours à la soustraction, j'aurais dû rajouter posée, hein, puisqu'il passe, comme je vous l'ai dit, par la recherche du complément pour arriver à 71, donc par l'addition à trous. Ensuite, l'élève B, il a bien modélisé également le problème, c'est-à-dire qu'il a bien identifié qu'il s'agissait d'un problème du champ additif. Dans lequel intervenait aussi la soustraction. Pareil, soustraction qu'il a effectuée par le biais d'une addition à trous, par recherche du complément. Ici, donc, en ce qui concerne le calcul, donc lui, il a tout schématisé, absolument tout, c'est-à-dire qu'il a tout représenté, les 42 masques, les 18. Ensuite, il a marqué qu'il y en avait 60. Par contre, son 60, on ne sait pas comment il l'a obtenu. On ne sait pas s'il l'a obtenu par le calcul ou s'il a dénombré en fait tous ces bâtons-là. On n'en sait rien du tout, on n'a aucune trace par rapport à ça. Et ensuite, à partir de ces 60, il a dessiné de nouveau des bâtons pour arriver à 71. Voilà. Donc, concernant la compétence calculée, on ne peut pas se prononcer puisque il a probablement eu recours au dénombrement et pour 160, on ne sait pas, il n'y a aucune indication. Ensuite, l'élève C. Or, lui, l'élève C, il n'a pas su modéliser correctement le problème, c'est-à-dire qu'il a pris toutes les valeurs numériques présentes dans l'énoncé. Donc 71, 42 et 18, et il a tout additionné. Donc il respecte, en fait, cet élève respecte le contrat didactique. Donc c'est typique de l'âge du capitaine de Stella Baruch, hein, qui est célèbre. Donc on est vraiment dans la situation là du respect du contrat didactique. Ensuite, en termes de calcul. Donc, son addition est correctement posée, son calcul est correctement posé, mais il a fait une erreur en fait sur le nombre de dizaines, c'est-à-dire qu'il trouve 11 dizaines ici au lieu de 13. Hein. Ici, il aurait dû trouver 3 au lieu de 1. Alors, il est vraisemblable qu'il s'agit davantage d'une erreur de calcul, alors qu'on peut attribuer à je ne sais pas quoi, difficile de savoir. Mais on peut dire que là, la compétence calculée pour les additions posées, on peut estimer qu'elle est acquise dans le sens où il a bien su gérer ici ses recul. Ici, pour l'élève D, donc, il a su modéliser, oui, il a su modéliser, puisqu'il a identifié qu'il fallait 42 plus 18 plus 11 pour donner 71. Alors, après, son résultat est correct, mais on a vraiment très peu d'indices pour la compétence calculée. Là, on peut deviner qu'il avait écrit 42 plus 18 égale 60. Là, il a barré quelque chose. Je n'ai pas réussi à lire ce qu'il avait barré. Donc, c'est vraiment ici un élève où il est difficile d'émettre des hypothèses, concernant la compétence calculée. Et là, il est vraisemblablement passé ensuite par le dénombrement à partir de son 60, enfin par la schématisation, pour trouver le complément à 71. Donc, voilà.
Ensuite, on vous disait proposer une représentation que l'on peut envisager pour aider les élèves à modéliser ce problème. Et on vous mettait, pardon, un extrait de la note de service concernant les représentations donc pour les problèmes. Donc, vous pouvez tout simplement proposer ceci hein, comme représentation, c'est-à-dire faire un schéma où on a le nombre total de masques, on a les 42, on a les 18, et on va chercher ce qu'il manque ici pour avoir en tout 71. Donc, ce type de schéma peut être utilisé quel que soit finalement le problème et aide l'élève donc à se représenter, à représenter la situation et donc l'aide va pouvoir l'aider à modéliser. Ensuite, troisième question, en proposant le second problème ci-dessous, quelles erreurs risqueraient de ne pas être détectées? Alors, pour le carnaval, la directrice d'école a acheté 42 masques de souris et 18 masques de chien. Combien la directrice achète-t-elle de masques au total? Donc, là, le problème va se résoudre simplement en faisant 42 plus 18. Donc, on a un problème à une seule étape. Et ici, en fait, le résultat, la solution au problème va être trouvée en additionnant simplement les données numériques de l'énoncé. Donc, les erreurs qui risquent de ne pas être détectées sont celles relatives au contrat didactique, c'est-à-dire les erreurs type l'élève C qui additionne toutes les valeurs numériques. Donc, il pourra très bien avoir donné la bonne réponse, mais sans avoir donné de sens à ce qu'il a fait. Et deuxième erreur qu'on risque de ne pas détecter, en fait, c'est la non-maîtrise de la soustraction, puisque ici, il s'agit simplement d'un problème à une étape où il s'agit de faire simplement une addition. Proposer deux pistes de remédiation qui pourraient être mises en œuvre pour l'élève C. Donc, c'est celui qui a mis en place, qui a respecté le contrat didactique, hein, expliciter la démarche envisagée. Donc, on pourrait lui proposer en fait le même problème, mais avec des nombres moins grands, parce que là, les nombres étaient quand même relativement grands et relativement éloignés l'un de l'autre. Donc, on pourrait lui proposer des nombres inférieurs à 10, par exemple. Avec des nombres inférieurs à 10, ça lui permettrait certainement de mieux modéliser, de réussir à modéliser la situation. Et on peut aussi, autre remédiation, c'est l'inciter à schématiser donc le problème, par exemple, sous cette forme-là. Donc voilà deux pistes de remédiation. Des questions, Jean-Paul? Alors, une tout de suite, là, d'Anne-Cécile, et rajouter une étape. Et rajouter une étape. Point d'interrogation. Alors, Aja, Ah oui, pour le pardon, passé, lorsque oui, l'on c'est-à-dire parle remédiation, ne ajouter une question intermédiaire. Oui. Oui, tout à fait, tout Pour à fait. décomposer, oui. Oui, ajouter une question intermédiaire, effectivement, tout à fait. Voilà. Et Aja demande, lorsque l'on parle de remédiation, ne parle-t-on pas de PPR? Non, 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 là, on vous demande des choses très, très simples ici, hein. De toute façon, en Dida des maths, on veut que vous alliez à l'essentiel. On veut des réponses concises, mais tout en allant à l'essentiel. C'est pour ça qu'il faut structurer au maximum vos réponses. Et on attend vraiment des choses très simples, hein. On n'attend pas des choses compliquées en termes de mise en place de remédiation. Donc, on attend des choses très simples. De toute façon, les jurys savent très bien que les candidats qui passent l'épreuve ne sont pas en poste, sauf quelques-uns qui font des remplacements, mais sinon les autres ne sont pas en poste. Donc on n'attend pas des choses techniques. Voilà. Ensuite, quatrième situation. Donc là, il s'agissait d'une situation en moyenne section, donc cycle 1. Donc là, la consigne donnée aux élèves était regardez bien où est placé le lapin dans le train modèle situé sur le tableau. Vous allez devoir placer un lapin dans le même wagon sur votre train. Vous pouvez revenir voir le train modèle si vous le voulez. Ensuite, on vérifiera votre réponse en amenant votre train sous le train modèle.
Donc, on vous demandait, première question, quel aspect du nombre est travaillé dans cet exercice? Donc là, ben, il s'agit donc de rang, hein, il s'agit de trouver le rang finalement du lapin. Donc, il s'agit de l'aspect ordinal du nombre. Donner deux prérequis pour qu'un élève puisse réussir la tâche. Ben, les prérequis, c'est bien sûr connaître la comptine numérique, hein, connaître la suite des nombres et aussi être capable de se repérer. Proposer deux variations pour simplifier cette situation. Donc, pour simplifier la situation, on pourrait donner le modèle aux élèves, c'est-à-dire que les élèves pourraient avoir le modèle à leur disposition, et on pourrait aussi réduire donc le nombre de places, c'est-à-dire raccourcir le train. Et quatrième question, parce que je vous rappelle qu'on est en moyenne section, hein. On est en moyenne section, donc voilà, ils sont quand même au début des apprentissages, hein. Quatrième question, proposer deux variations pour complexifier cette situation. Donc, pour la complexifier, ben, on pourrait leur proposer plusieurs lapins à placer et non pas un seul, hein, positionner dans le train modèle deux ou trois lapins. Et deuxième chose qu'on pourrait faire également, c'est allonger le train. Donc, voilà les propositions possibles. Y a-t-il des questions? Alors, Anne-Cécile, et y mettre des couleurs aussi pour mieux identifier. Y mettre des couleurs, tout à fait. Tout à fait. Voilà. C'est une proposition possible et recevable. Voilà. Limiter le nombre de déplacements pour voir le modèle. Oui, tout à Voilà. fait. Ça fait partie des choses, voilà. Tout à fait. Voilà, Donc, c'est tout. ces variables didactiques, tout à fait, vont être recevables. Hein? Donc, voilà. Ensuite, pour le groupement 2. Alors, pour le groupement 2, lui. Alors, attendez, je vais lire. Hop. Donc, la troisième partie du groupement 2 était composée de trois exercices et de 16 questions. Donc, vous voyez que le nombre d'exercices, finalement, ne veut rien dire, puisque dans le groupement 1, on avait quatre exercices, mais 13 questions. Là, on a trois exercices, mais 16 questions. On avait beaucoup de production d'élèves à analyser, on en avait 10. Alors, pareil, activité chronophage. On avait une situation au cycle 2 sur le calcul en ligne concernant les additions. Et deux situations au cycle 3 concernant la proportionnalité et la comparaison des nombres décimaux. Donc là, on est vraiment dans des thèmes classiques de chez classique du CRPE. Voilà, quand on me demande, quand les étudiants me demandent qu'est-ce qui peut tomber en DIDA, ben, de toute façon, ça, ce sont les thèmes qui ressortent tout le temps. Alors, donc ici. Première situation. Donc, on était en CE1. Donc, l'enseignant demande aux élèves d'effectuer les calculs suivants sans poser les opérations. Donc, on est dans une séance de calcul en ligne. Donc, on a les productions de trois élèves et on vous demandait d'analyser chacune des procédures mises en œuvre par ces élèves en mettant en avant les connaissances qu'elles nécessitent. Donc, le premier élève. Donc, lui, donc, il procède à des additions en ligne. Son objectif ici est de faire apparaître en fait un multiple de 10, c'est-à-dire une dizaine entière. Pour cela, il décompose 5 en 3 plus 2 et il arrive ainsi à donc 40 plus 3. Et en termes de connaissances, donc il connaît les compléments, c'est-à-dire qu'il sait que pour aller de 38 à 40, ben, il faut 2. Et il sait que ben, 3 plus 2, en fait, c'est la même chose que 2 plus 3. Hein, puisque après, il prend son 2 et après, il va ajouter son 3. On peut remarquer, c'est juste une remarque, mais ce n'était pas demandé, hein, parce que là, on vous demandait d'analyser les procédures. On ne vous demandait pas, on vous demandait pas les erreurs et les réussites. Hein, ce n'était pas ça l'objet de la question, c'était vraiment les procédures. Donc, moi, je vous ai juste rajouté à noter qu'il fait un usage abusif du signe égal, hein, puisqu'il enchaîne en fait les opérations qui ne sont pas en fait égales. Ensuite, le deuxième élève, donc pour sa procédure, donc il a recours à ce qu'on appelle un arbre de calcul. Donc, il cherche à obtenir des multiples de 10, des dizaines entières, à l'aide de son arbre de calcul, et il arrive ainsi à 30 plus 20.
Donc, en termes de connaissances, il sait que 15 plus 15 est le double de 15, que 15 plus 15, c'est la même chose que 2 fois 15, que c'est le double de 15, donc que c'est 30. C'est pour ça qu'il sélectionne, donc qu'il choisit de regrouper les deux 15. Il connaît aussi donc ses compléments, puisque il sait que donc que 11 plus 9, je vais y arriver, que de oh là, oh là. Ça commence à fatiguer là. De 11 pour aller à 20, il manque 9. Voilà, je vais y arriver. Et il connaît donc la technique pour additionner des multiples de 10, c'est-à-dire donc qu'il additionne les dizaines entre elles pour obtenir son résultat final. Ensuite, troisième élève, donc il a aussi recours à un arbre de calcul. Donc, lui, il additionne d'abord les dizaines, puis ensuite les unités. Il arrive ainsi à 70 plus 11 et il réitère le même procédé, c'est-à-dire qu'il additionne ces dizaines, 7 et 1, et ensuite 0 et 1 pour les unités. Donc, on peut dire qu'il sait décomposer les nombres canoniquement, c'est-à-dire qu'il a conscience que 32, c'est 30 plus 2, que 40, c'est 49, je vais y arriver, c'est 40 plus 9. Et il connaît donc ses tables d'addition parce qu'il sait que 4 et 3, ça fait 7, que 9 et 2, ça fait 11. Ensuite, proposer deux autres procédures que la professeure pourrait enseigner aux élèves pour calculer 32 plus 49. Donc, une première proposition possible, c'est de décomposer 32 en 31 plus 5, de manière à avoir ensuite donc 31 plus 50, addition facile à faire, qui donne 81. Ou, on aurait pu aussi proposer, donc décomposer 32 en 30 plus 2, ensuite additionner 30 et 49, qui donnerait 79 plus 2, et ensuite décomposer le 2 en 1 plus 5, qui donne donc 80 plus 5, 81. Ou autre proposition, donc ce serait ma deuxième procédure, c'est de les faire décomposer en unités de numération. C'est-à-dire que 32 plus 49, c'est 3 dizaines plus 2 unités plus 4 dizaines plus 9 unités. Donc, on regroupe les dizaines. Donc, ça fait 7 dizaines plus 11 unités. Les 11 unités, on les décompose en une dizaine plus une unité. Donc, au final, ça fait 8 dizaines plus une unité, c'est-à-dire 81. Donc, voilà une autre procédure possible. Des questions, Jean-Paul, sur cette première S'il y a de nombreux commentaires. Innombrables commentaires, Jennifer parle de LF2, il fallait plutôt 1, 1D plus 1D plus 1D et 5U plus 9U plus 5U plus 1U, carreau schéma, non, point d'interrogation. J'ai pas compris, je suis désolée. Oui, mais j'ai du mal aussi. J'ai pas compris. Faustine, pénalisons du coup d'avoir ajouté à la fin un petit commentaire sur les erreurs, comme l'usage erroné du signe égal, point d'interrogation. Mais ce sont, comme j'ai écrit, ce sont des pistes de correction. Donc, Des pistes. le correcteur va avoir une vue d'ensemble Oui. sur la correction, hein. Enfin, sur la composition. C'est ça qu'il faut retenir surtout. Oui. Oui, c'est des pistes. Voilà, et Alexia demande, fallait-il parler d'associativité, commutativité? Non, non, Facilement. non, parce que là, ce n'était pas explicitement demandé. Quand on attend que vous en parliez, que vous citiez en fait les noms des propriétés, on vous le dit explicitement dans la consigne. D'accord? Par exemple, pour la commutativité, moi je n'ai pas parlé de commutativité, mais j'ai dit à un moment donné que l'élève savait que 3 plus 2, c'est la même chose que 2 plus 3. Donc j'ai parlé de commutativité, mais sans donner le nom de commutativité en fait. D'accord? Voilà, on va avancer. Ensuite, deuxième situation donc, qui concernait la proportionnalité. Donc là, on était en CM2. Donc, on vous demandait quelle est la principale notion travaillée dans cet exercice. Donc, je vous rappelle qu'il faut toujours justifier. Donc, pas simplement répondre à la proportionnalité, mais dire que il y a la même distance parcourue pour chaque pas. Donc, il s'agit d'un problème de proportionnalité. Alors, analyser la réponse de l'élève à la première question en précisant la propriété mathématique utilisée.
Donc, cette élève donc remarque que 7 en fait est la moitié de 14, d'où sa division. Ensuite, 50 divisé par 2 pour trouver 25. Donc, cette élève utilise la linéarité multiplicative. Ensuite, pour la deuxième question, analyser la réponse de l'élève à la seconde question en précisant la propriété mathématique utilisée. Donc là, l'élève dit le résultat de 7 pas est de 14 pas égale 21. Donc, il a remarqué que 7 plus 14 égale 21. Donc, il ajoute ensuite les mesures 25 plus 50 égale 75. Donc, il utilise la propriété de linéarité additive. Donc là, on est vraiment dans des questions classiques. Les productions étaient très simples à analyser. Proposer une autre procédure que les élèves de CM2 pourraient utiliser pour répondre à cette seconde question en précisant la propriété mathématique utilisée. Donc, les élèves pouvaient remarquer que 21, c'est 3 fois 7, et donc utiliser la propriété de linéarité multiplicative, puisqu'ils connaissent la distance pour 7 pas, donc faire 3 fois 25 cm. Ensuite, un enseignant de CM2 propose donc l'énoncé: un robot parcourt 75 cm en 5 pas, quelle distance parcourt-il en 3 pas? Alors, petit a, justifier le choix des nombres de cet énoncé, la procédure que l'enseignant souhaite ainsi encourager. Donc, on remarque en fait que 5 et 3, ici le nombre de pas, sont des nombres premiers entre eux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien arithmétique en fait entre ces deux nombres. Et on remarque que 75 est un multiple de 5. Donc, le choix de ces nombres, en fait, est fait pour encourager la procédure dite de retour à l'unité. Puisqu'il connaît pour 5 pas, il veut pour 3 pas, il n'y a pas de lien multiplicatif entre 5 et 3. Donc, l'élève va rechercher la distance parcourue pour 1 pas. Et on vous dit, l'enseignant souhaite que cet exercice serve de référence pour la classe. Il envisage de rédiger la correction qui sera affichée dans la classe. Faire une proposition du contenu de cette affiche. Donc, on pourrait proposer le contenu suivant. Si un robot parcourt 75 cm en 5 pas, alors il en parcourt 5 fois moins en 1 pas. Donc, 75 cm divisé par 5 égale 15 cm. Si un robot parcourt 15 cm en 1 pas, alors il en parcourt 3 fois plus en 3 pas. 3 fois 15 cm égale 45 cm. Je vous rappelle que les documents d'accompagnement concernant la proportionnalité, essentiellement, préconisent de mettre donc les unités de mesure dans les opérations pour donner du sens à ce qui est fait. Donc, il faut que dans la trace écrite apparaisse, donc dans la fiche, lorsque ce sera affiché dans la classe, il faut que les unités de mesure apparaissent dans les opérations afin de donner du sens à tout ça. Y a-t-il des remarques, Jean-Paul, Oui, des il y en a questions? quelques-unes. Et la dernière, c'est il s'agit du coefficient de proportionnalité, non, de Mimi. Non. Rani demande pour la 5B, une schématisation de la situation n'est pas envisageable. Pierre, pour la 4, demande le produit en croix Oh pour là. répondre à la Oh 4. là 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 là. C'est pas Le bon, produit en croix. Surtout pas de produit en croix. Le produit en croix n'est pas au Voilà. programme du cycle 3. D'accord? Donc, surtout pas de produit en croix. Et là, coefficient de proportionnalité, je vous dis non parce qu'on est en CM2. Et le coefficient de proportionnalité est institutionnalisé en sixième, en dernière année de cycle 3. Donc là, c'était vraiment le retour à l'unité. D'accord? Et après, en termes de traces écrites, alors dans les documents d'accompagnement et dans les programmes, il est vraiment préconisé concernant la proportionnalité que les procédures soient verbalisées. On attend une verbalisation des procédures avec les unités de mesure dans les opérations. Donc là, pour l'affichage de la correction, donc c'est une correction qui va être affichée. Donc il est essentiel que vous soyez dans l'état d'esprit en fait des documents d'accompagnement et que vous proposiez donc quelque chose sous la forme d'une verbalisation. Et pas de tableau de proportionnalité. D'accord, c'était aussi une question qui avait été posée. Et Dylan, pour la question 4, proposait un passage, le passage à l'unité en précisant que, par contre, le résultat serait compliqué pour ces élèves. Alors oui, mais le passage par l'unité, là, il n'a pas grand intérêt, en fait,
Et en plus, là, ça ne va pas être possible le passage par l'unité parce qu'on va être obligé de diviser par 7 et 25 septièmes. Donc, on va être obligé de diviser 25 par 7 aussi. Et 25 septièmes n'est pas un nombre décimal. C'est un rationnel non décimal. Donc, le passage par l'unité ici n'est pas possible. D'accord. Et Laurie, pour la dernière, hein, parce qu'après, tu dois encore avancer. Je ne pensais pas que nous pouvions écrire autant sur un document affiché en classe. J'avais proposé le tableau de proportionnalité en précisant qu'il n'est pas enseigné comme tel, mais simplement support pour la correction. Voilà, Oui, alors c'est un le commentaire. tableau de proportionnalité, en fait, c'est un outil. Le tableau de proportionnalité est un outil pour résumer une situation. Voilà. Mais en tant que tel, le tableau de proportionnalité, en fait, ne sert pas à résoudre un problème de proportionnalité. D'accord? Voilà, d'accord. OK. Allons-y. Ensuite, troisième situation. Donc là, on vous dit un enseignant de CM2 travaille avec ses élèves sur la comparaison des nombres décimaux. Donc ces derniers doivent entourer le nombre qu'ils estiment le plus grand en justifiant leur choix. Donc voici les réponses de Rose et Ethan. On vous demande d'analyser la procédure utilisée par Ethan. Donc procédure utilisée par Ethan, lui il dit car si tu mets des zéros, c'est le plus grand. Donc, lui, ce qu'il fait, donc, il cherche à mettre les deux nombres au même format, c'est-à-dire qu'il cherche à avoir le même nombre de chiffres dans la partie décimale pour ensuite, en fait, les comparer comme s'il s'agissait de nombres entiers. C'est-à-dire qu'on aurait 3,12 et 5,20. 312 est plus petit que 520, donc 3,12 est plus petit que 5,20, donc 5,2. Donc ça, c'est la procédure utilisée par Ethan. Donc en quoi un travail de remédiation utilisant la droite graduée pourrait permettre à Ethan de s'approprier une procédure plus efficace? Donc ben, là, de toute façon, les deux nombres donnés n'ont pas la même partie entière, donc il suffit que Ethan en prenne conscience. Et pour qu'il en prenne conscience, donc la droite graduée est un bon outil, c'est-à-dire qu'il va se rendre compte que 3 est situé avant 5, donc seule la comparaison ici des parties entières est suffisante. Ensuite, analyser la procédure utilisée par Rose. Alors Rose dit 5,2 est plus grand que 3,12 car 5 est plus grand que 3. Donc, elle, bon, analyser la procédure, il n'y a pas grand-chose à dire, en fait, c'est-à-dire qu'elle s'appuie simplement sur la comparaison des parties entières. Les parties entières étant différentes, elle peut conclure quant à la comparaison donc, des deux nombres. Proposer deux autres paires de nombres permettant de vérifier que Rose maîtrise la compétence comparée de nombres décimaux. Donc, on peut lui proposer des nombres ayant donc la même partie entière. Par exemple, 2,2 et 2,15. Donc, pour s'assurer qu'elle ne compare pas les parties décimales comme deux entiers, c'est-à-dire qu'elle ne dise pas que 2 est plus petit que 15, donc 2,2 est plus petit que 2,15. Elle lui proposait aussi 3,02 et 3,002 pour s'assurer qu'elle maîtrise la valeur positionnelle des chiffres, hein, puisque là, en fait, on a deux. Pour les deux nombres, on a deux dans la partie décimale. Donc, pour s'assurer qu'elle considère bien ce 0,2 comme étant 2 centièmes, celui-ci comme étant 2 millièmes et que 2 centièmes est plus grand que 2 millièmes. Ensuite, donc ça c'est fait, pardon. Deuxième question, voici les réponses de Louisa, Nolan et Lohan concernant la comparaison de 13,01 et 13,001. Donc, en s'appuyant sur la justification donnée, analyser l'erreur de Louisa. Alors, Louisa a considéré que celui-ci, donc, était le plus grand. Alors, elle dit, j'ai entouré 13,001 car les millièmes sont plus grands que les centièmes. Donc, l'erreur de Louisa, c'est qu'elle fait un transfert de ses connaissances, en fait, sur les nombres entiers. Elle sait que pour les nombres entiers, les milliers sont plus grands que les centaines. Donc, elle considère que les millièmes sont plus grands que les centièmes.
Ensuite, en s'appuyant sur la justification donnée, analyser l'erreur de Nolan. Donc, Nolan, lui, il dit il y a deux zéros de plus avant le 1. Donc, il répond que celui-ci est le plus grand. Donc, lui, il s'appuie sur le nombre de chiffres, en fait. Il considère que plus il y a de chiffres, plus le nombre est grand. Et ceci est valable uniquement pour les nombres entiers. Donc, lui également fait un transfert de ses connaissances sur les nombres entiers. Et ensuite, l'enseignant souhaite aider Loan à reformuler son explication, proposer une reformulation attendue. Donc, on pourrait proposer comme reformulation 13,01, c'est 1301 centièmes. 13,001, c'est 1300 centièmes et 1 millième. 1301 centièmes est plus grand que 1300 centièmes. Donc, 13,01 est plus grand que 13,001. Et donner deux représentations erronées que peut avoir un élève de CM2 pour la comparaison des nombres décimaux. Et là, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de marquer les réponses sur mon document. Donc, deux représentations erronées, c'est parce que c'était la dernière question, c'est pour ça. Deux représentations erronées que vous pourriez proposer. C'est que c'est des choses qu'on a vues en fait dans les analyses de production précédemment, c'est-à-dire qu'un élève peut considérer que plus un nombre contient de chiffres, plus il est grand, c'est-à-dire qu'il fait un transfert de ses connaissances sur les nombres entiers. Il peut considérer aussi qu'un nombre décimal est un nombre constitué de deux entiers séparés par une virgule. Donc, à partie entière égale, il compare les parties décimales comme deux entiers, erreur qu'on a vue aussi dans les productions. Autre erreur aussi, alors là, on ne vous en demandait que deux, je vous en donne une troisième, mais sur la copie, il n'en faut que deux. Donc, l'élève peut savoir que les dixièmes sont supérieurs aux centièmes, ce qui est vrai. Et à partir de là, donc, il peut conclure que 5 dixièmes est plus grand que 72 centièmes. C'est-à-dire que son 72 centièmes, il ne va pas le considérer comme 7 dixièmes et 2 centièmes. Donc, voilà des représentations erronées qu'un élève pourrait avoir donc, sur la comparaison des nombres décimaux. Donc, voilà, j'en suis arrivée à la dernière question. Et donc là, donc, pour les futurs candidats au CRPE, s'il y en a parmi vous donc, qui n'ont pas passé le concours et qui envisagent de le passer l'année prochaine, donc vraiment, mais vraiment, il faut absolument qu'avant le mois de septembre, vous vous soyez remis à niveau en maths, c'est-à-dire que vous ayez revu les règles de calcul sur les fractions, les puissances, les racines carrées, résolution d'équations, d'inéquations, les identités remarquables et les notions de base en géométrie, tout ceci doit être revu avant que vous attaquiez donc une préparation au CRPE. Et un gros conseil avec la réforme donc de l'année prochaine, moi je vous conseille aussi de prendre de l'avance en didactique avant la rentrée, c'est-à-dire que avant le mois de septembre, prenez connaissance des programmes et des documents d'accompagnement qui sont disponibles sur EBUSCOL. Donc, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Donc, voilà. Ah, attendez, j'ai arrêté mon document. Ah, te revoilà. Voilà. Donc, voilà, je n'ai plus de salive, j'ai la gorge toute sèche. Voilà. Bon, j'espère que tout s'est bien passé pour tout le monde. Surtout, ce ne sont que des éléments de correction. Donc, ne paniquez pas, soyez serein et concentrez-vous sur vos oraux. C'est votre priorité maintenant, c'est la préparation aux oraux. Maintenant, je vais laisser la parole à Jean-Paul. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée et un bon courage aussi. Au revoir tout le monde. Au revoir Agnès. Et donc, pour ceux qui ont suivi ce live de correction comme celui de français, mais qui n'ont pas passé le concours, sachez que pour répondre à plusieurs questions privées sur nos préparations, sans entrer dans le détail parce qu'il est déjà bien tard, sachez que nous proposons trois formules, comme je vous l'ai indiqué en propos liminaire, en classe un jour, normalement le samedi,
en classe 3 jours pour ceux qui ont du temps à consacrer à la préparation, et puis à distance pour celles et ceux qui ne peuvent se déplacer dans un centre ou ont des contraintes professionnelles fortes. Vous avez pu constater, Agnès a encore évoqué la réforme de ce concours. Nos équipes ont beaucoup travaillé sur le sujet et sont prêtes à fournir sur la plateforme dès votre inscription toutes les remises à niveau qui sont indispensables et les connaissances théoriques à détenir avant quoi que ce soit. Bon, si vous avez d'autres questions, nos équipes dans les différents centres sont à même d'y répondre. J'évoquais tout à l'heure le problème du financement, le CPF, toutes ces choses-là, Pôle emploi. Il y a plein de structures qui peuvent vous aider à financer votre préparation. Alors attention, nos structures sont de taille humaine. Une fois que nos classes sont au complet, nous n'acceptons plus d'étudiants, que ce soit en présentiel ou que ce soit en distanciel. Merci beaucoup d'avoir participé à ce live de correction de cette épreuve de mathématiques. J'espère que celles et ceux qui viennent de subir l'épreuve ont eu les bonnes corrections et se sentent soulagés et rassurés et puissent continuer, comme a dit Agnès, à préparer la seconde partie et l'admission. Voilà, bonsoir et bon week-end à tous. Au revoir.